sûr. On va partager cette vidéo. Apparemment, il y a des gens qui réagissent à mes commentaires sur des vidéos. J'ai aimé cette vidéo, donc du coup, elle devrait être là. Je voulais vous montrer un truc qui s'est passé aujourd'hui, du coup, parce que c'est intéressant. Je vais baisser un peu le son, parce que c'est un peu fort, je suppose. Hop. Là, c'est toujours la même playlist. Hop. Hop. Il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a même le temps, si vous voulez. Voilà, donc du coup, le grand remplacement n'existe pas et n'existera jamais. De Nirina, alors du coup, on va cliquer vite fait et je vais vous l'envoyer. Je pense que c'est le moment de faire un petit shout-out. Hop, partage la vidéo. Comme ça, au moins, c'est fait. Mais c'était pas vraiment pour ça à la base que j'étais sur YouTube, c'était pour vous montrer autre chose. Et après, il faut qu'on lance la frise peut-être pour le moment. Voilà. Et du coup, j'ai envoyé un commentaire en dessous, tout à fait simple, qui était un pouce. Ah. Et apparemment, il y a eu 8 j'aime, mais il y a quelqu'un qui a posté... Je n'aime pas. Point d'exclamation. Du coup, je vais dire, bah, je n'aime pas non plus. Et on se retrouve plus tard. Ah, mais j'ai fermé YouTube, mais du coup, je voulais vous montrer un truc. Oh. Oh, la dureté de la vie. Bonjour. Bonjour, Raving Bell. Bonjour, Raving Bell, ça va? J'espère que tu vas bien. Du coup, je voulais vous montrer la blague. Bon, le chronologie des femmes artistes de la semaine dernière est sorti, du coup, vu qu'on essaie de rattraper quand même le temps qu'on a perdu. Du coup, je vous l'envoie, il y a les times, il y a tout. Je le mets dans le frama, d'ailleurs. Du coup, qui a réapparu, ça y est. Il est existant, maintenant. Le framapan? Non, le premier chronologie des femmes artistes. Le premier chronologie que j'ai appelé saison 2, premier épisode. Voilà. Mais il y a un moment très marrant. Oh, tu viens de changer les idées. Oh, cœur pour Raving Bell, du coup. Cœur pour Raving Bell. On va essayer d'être à la hauteur. Hein. Ouais, on va essayer. Et cœur pour Raving Bell, et bien entendu, si vous ne connaissez pas Raving Bell, il faut absolument aller voir ce live. D'ailleurs, j'ai remarqué que tu en faisais moins. J'espère que ça va suffisamment pour que tu reprennes. Ah, il y a le son quelque part, dans ma tête. Ah oui, d'accord. Quelqu'un qui parle dans sa tête. C'est la musique. Ok. Attendez, je cherche le son. Mais pourquoi je cherche là, je sais pas. Voilà. Raving Bell, c'est ici. Voilà. Donc, allez voir les streams de Raving Bell. Ça reprendra. Je sais pas si tu as arrêté, mais j'ai plus de notifications. Donc, j'imagine que oui. Ah, t'es arrêté en plus? Ah ouais, chaud. Bon, courage, force, plein de trucs. Plein de cœur. Forcément. Oui, forcément, c'est une très bonne phrase. Et plein de cœur. Voilà, donc nous, on va rigoler ensemble parce que bon. Faut que je vous raconte avant qu'on commence. Il y a eu des trucs qui se sont passés. Autre que je me fais dislike des commentaires que j'ai. Il y a des choses qui sont passées. Hop, je vais vous montrer du coup du côté de YouTube. Alors, sur la vidéo, on a regardé des vidéos pendant qu'on faisait la fin de chronologie la semaine dernière. Et du coup, je vais vous montrer la blague. On a été claim pour la première fois par Lina. Ces services publics que nous payons de nos impôts, je rappelle, qui sont donc les archives nationales, hein, les archives nationales qui sont audiovisuelles, je précise. Voilà. C'est peut-être un poil fort, c'est peut-être un poil, mais non, t'as raison. En fait. Du coup, en fait, Lina, ils viennent pas nous chercher, pas. Ouais, mais ils nous attaquent. Mais on va les sponsors, on va le demander la sponsor parce que je pense que là, on a trouvé la douille ultime. On va mettre toutes leurs vidéos. Regardez-moi cette beauté de vidéo. Oh. Et là, on applaudit Google qui a un outil floutage que personne n'utilise, mais
comme je suis bête, j'ai décidé d'utiliser. Donc il y a le son, et voilà. Il n'y a pas l'image. Et il n'y a pas l'image. Donc du coup, c'était toutes les vidéos de Nikki de Saint-Phal. Bon, c'est un peu chiant leur outil, hein. Je comprends pourquoi, mais bon, voilà. Ah oui, t'as un foutage de qualité. Voilà, ça dure une minute, ça va, c'est pas la mort, je pense. Mais bon, voilà, ça ressemble à ça, du coup, le premier. Grâce à Lina, merci Lina, nous attendons les sponsoring. Voilà. du coup, on va travailler sur la suite, du coup, de l'épisode, parce que maintenant, on va passer sur la saison 2. Hop, et qu'on est sur le Framapad. Est-ce que Nibbler, tu veux bien nous poser un petit point d'exclamation Frama? Tout à fait. Pour que tout le monde puisse être au courant. J'espère que déjà ça te fait bien rire. Du coup, pour Lina Renimel, c'était le but. Voilà. Peut-être le petit récap. Oui, quand le même. Petit récap. Hein. Bah, du coup, vas-y, tu peux commencer. Donc, bienvenue dans le deuxième épisode de Chronologie des femmes artistes, saison 2. On vous a retrouvé la semaine dernière pour notre rentrée, où on a fait le remake du premier épisode de la saison 1, donc le début, qui n'existait pas, qui avait sauté, qui était perdu, donc on l'a refait, maintenant il est existant. Et donc on recommence sur de bonnes bases, hein, puisque on va continuer notre exploration dans les découvertes de parcours de femmes artistes et on va on va faire comme d'hab, c'est-à-dire c'est quoi comme d'hab, c'est on trouve des oui. J'allais faire une blague sinon. D'accord. Ok. En fait, on est comme on vous a refait la semaine dernière, on est parti de noms de femmes artistes qu'on avait en tête. Ces artistes-là nous ont amenés à d'autres artistes femmes, on a cliqué sur les liens, on est parti comme ça, on est parti très loin, on a trouvé plus d'une centaine de femmes artistes comme ça, avec quelques exceptions, à des moments où on a dû remettre un petit peu d'huile dans la machine, puisqu'il n'y avait plus de lien cliquable sur rien, donc on a remis un peu de matière. Et donc, voilà, quels sont nos biais? Biais numéro 1, on parle d'artistes femmes. Premier biais, hein. Si vous n'aimez pas, vous êtes libre de ne pas aimer et de partir. Mais voilà, c'est notre premier biais. On parle de femmes artistes. Deuxième biais, on vous montre des pratiques qu'on a classées dans une pratique de choses visuelles, qui sont des choses qu'on peut vous transmettre par le virtuel et que vous pouvez, apprécier la qualité, zoomer dans les images, etc. Donc, on vous montre de la peinture, de la sculpture, de la photo, du dessin, plein d'autres choses, de la gravure, voilà. Des fois, on fait des points techniques quand on peut sur des choses. On vous apprend aussi à faire de l'art à des moments. On explique des techniques. On explique des techniques, voilà. Ça, deuxième biais. Ensuite, sur la période. Et le but de ce stream, c'est de pouvoir placer les artistes qu'on découvre sur une frise chronologique. Tout le monde sait ce que c'est une frise chronologique, hein, ça part de zéro, et ou ça part de moins d'ailleurs, enfin voilà, on se met sur un repère et on place les gens. Du coup, donc ça c'est notre point d'atterrissage. Pour les dates, on est parti de moins, je ne sais plus combien... Moins 161 avant JC et on est jusqu'à 1981 après JC qui nous permet d'inclure des parcours de femmes diverses, des parcours de femmes minorisées, etc., qui sont moins visibles dans les siècles précédents, puisque déjà les femmes tout court, femmes en général, sont déjà minorisées dans l'histoire de l'art. Donc c'est un biais de biais, quoi. Voilà. Ensuite, autre prisme, autre biais, c'est qu'on part d'une source accessible à tout le monde en tapant sur Internet. Et donc on ouvre les pages Wikipédia, qui sont le reflet
des informations que qu'ont les gens, c'est-à-dire que ben si, moins une artiste est connue, moins sa page Wikipédia est sourcée, moins elle est fiable, etc., etc. Donc on lit quand même, on part de cette page-là, et il y a des moments où on va chercher un peu des compléments d'informations, notamment quand on ne trouve pas la date qui nous permette de placer les artistes dans la frise, et qui est la date de première monstration. Première monstration, ça veut dire la première fois qu'on a pu découvrir leur travail, que ce soit dans une exposition, dans un livre, sur une reproduction, dans une église, enfin peu importe, mais on est parti de ce critère-là. Voilà, donc ça nous permet de voir à quel moment aussi ces femmes étaient actives dans leur pratique. Il y en a qui ont commencé jeunes, d'autres moins jeunes, voilà, d'autres qui se sont arrêtées, enfin en tout cas ça inclut ça. Louloudou, voilà. Sinon oui, bon, le biais de départ c'était qu'on avait plutôt cité des artistes qui étaient avec un prisme eurocentré, qu'on a décentré bien sûr au fur et à mesure, hein, c'était le but aussi, et qu'on continue de faire grandir et de raisonner avec tous ces parcours qu'on découvre. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, alors du coup, on peut faire... Qu'est-ce que vous considérez comme travail, du coup? En fait, ouh là là. Alors, un travail artistique, c'est une expression artistique. C'est-à-dire qu'on met pas... En vrai, on n'a pas vraiment de filtre sur... un filtre qualitatif, par exemple, qui serait hyper subjectif. Enfin, c'est pas bien. Oui, mais on n'a pas de critères subjectifs qui font qu'on apprécie ou pas un travail. Le premier critère, c'est de découvrir des œuvres de femmes artistes et de vous les montrer. Donc après, on peut discuter, est-ce qu'on trouve ça intéressant, pas intéressant, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas. Mais ça conditionne pas si on les met ou pas dans notre frise. Donc voilà, qu'est-ce qu'on considère comme travail, c'est... Ben, des choses qui ont aussi survécu au temps, puisque c'est des choses qu'on peut vous montrer. Donc en gros, c'est une trace artistique, hein, d'une expression d'une époque, disons ça comme ça. Alors par exemple, là sur le Discord, il y a pas mal de trouvailles qu'on avait récupérées pendant l'été. Mm-hmm. Je sais pas si ça répond bien à ta question, Raving Bell, mais voilà. Et du coup, le truc, c'est que par exemple, nous, on avait déjà pas mal de trucs ouverts. Mm-hmm. Donc, par où on passe cette fois-ci? Parce qu'on a le choix là, vu que c'est une saison 2. Est-ce que t'as une idée? Je pense qu'on peut essayer de regarder ce qu'il y a dans le Discord, comme ça on avance un peu. On commence par le premier ou la première plutôt? Ouais, mais alors est-ce qu'on avait nettoyé? Bah non, mais c'était le 10 juin, de toute façon c'était à la fin. D'accord. Bah, parce que le okay. Discord est sorti à la fin de la saison 1, je rappelle. Autant pour moi. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir les liens, je vous envoie les liens. Il y a tout qui se balance, ouais, ça s'appelle un peu du spam. un léger spam. Oui, du coup, le truc, c'est... j'espère que vous avez changé vos codes de stream, de codes de tout. Parce que Twitch est devenu une plateforme open source depuis peu de temps. Une petite plateforme qui commence à être connue sous le nom de Twitch. Voilà. C'est un peu comme ça que j'avais écrit le tweet, oui. Bon, alors du coup, voilà, on va ouvrir la première page Wikipédia. Ah, peut-être qu'on va faire peut-être un tour de la frise avant, parce que c'est ce qu'on faisait d'habitude. Montrons la frise. Alors, le tour de la frise. Pour rappel, vous êtes appelé à l'interaction, bien entendu. Si vous voulez proposer des noms, bien entendu, ou même des sources pour ces personnes qui on n'a pas trop, c'est le bienvenu, bien entendu. C'est très bien, t'as changé tes mots de passe, c'est cool, Ring. Parce qu'en fait, moi ça m'a pris quand même un bon temps. Et oui, les clés de stream ont changé toutes seules, d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc du coup, il y a Tisacus, Sisicus, mais il y a d'autres personnes qui sont de l'Antiquité ici. Donc on commence en moins 64, du coup. Pas moins 161. Oui, je sais pas pourquoi j'étais à moins 161. Je vais faire des doubles, hein, 1700 et 1800, on va le faire en même temps, parce que bon, c'est... C'est complexe de vous montrer tout, mais en tout cas, je vous montre tout de loin. Ça commence à devenir compliqué, en fait, de montrer toutes les années. Chose qu'on prenait notre temps à faire, mais au final, ça, on va passer un stream après, dans trois saisons, où ça va être juste de regarder la frise, au final. En une heure, pour montrer la frise. Voilà. Et sachant que le 20e siècle est découpé en deux. Et parce qu'on n'avait plus de place, donc c'est 1900, 1949... 1950
ouais, à peu près, grosso merdo. Grosso merdo, c'est découpé en 50 ans et pas en 100 ans. Quoi. Voilà, donc on dézoome et on est sur toute notre capacité. Voilà, bon, c'est parti ? C'est parti. Alors... Je vais boire un peu pour me chauffer le... la glotte. La gorge, la glotte. Me chauffer la glotte. Intéressant. Ouh, ça... Ah, donc du coup, déjà, c'est une française, d'après ce que j'ai compris. Un petit peu de 18e siècle. Alors attendez, parce que j'affiche, parce que nous on voit, mais pas vous. Voilà. Je crois qu'on peut, on peut dire que c'est parti. C'est parti. Alors. Ah, il y a le chat qui miaule. Bah oui, désolé, je vais lire. Dis bonjour à Raving Bell, le chat. Voilà. Alors, c'était pas du tout instrumentalisé ce miaou. Alors, donc, on commence la première artiste, Henriette Lorimier, qui est née le 7 août 1775 à Paris et qui est morte dans la même ville en 1854. Et c'est une artiste peintre. Donc, elle était, c'était une portraitiste en vogue à Paris au début du romantisme. Et la compagne du diplomate et homme de lettres. Quoi ? Philhellène ? Philhellène. Ça veut dire qui apprend le grec, non ? C'est pas ça ? Ouais, c'est grec. Signifie amour de la Grèce. Oui, c'est ça. Hélénistes, c'est des gens qui parlent le grec. Non. Su. D'accord, ok, j'accepte. Donc, qui aime la Grèce ? J'accepte parce que j'ai pas envie de me battre. Alors, donc, portraitiste, donc qui fait des portraits, hein, ça. Voilà, donc son éducation et ses expositions. Alors, Henriette et Lorimier est l'élève du peintre d'histoire Jacques-Baptiste Regnault et de son épouse Sophie Regnault. Donc, du coup, ça veut dire que Sophie Regnault était sûrement une peintre. Voilà. Et donc, elle va exposer, donc Henriette va exposer au Salon et au Musée Royal ses portraits et tableaux de genre de 1800 à 1806. Et de 1810 à 1814. Donc, par exemple, elle expose ses tableaux à partir de 1800. Donc, on pourrait, pour l'instant, se dire que dès 1800, elle est date de première monstration. On le garde en tête et on continue. En 1805, la princesse Caroline Murat achève son tableau La Chèvre achète son tableau La Chèvre nourricière, qui a été exposé dès 1804. Elle reçoit une médaille d'or au salon de 1806 pour Jeanne de Navarre, un tableau dont l'impératrice Joséphine fait l'acquisition en 1807. Voilà, on a un autoportrait de Henriette à présumer à droite. Ses succès parisiens. Donc on rappelle qu'elle habitait à Paris. Les chèvres nourricières, donc, dont on a parlé au-dessus. Le premier de ces tableaux qui fit l'objet de commentaires fut La chèvre nourricière, qui représente une jeune mère incapable d'allaiter son enfant. Sympa comme nom de tableau, du coup. Regardant tristement une chèvre qui remplit ce devoir à sa place. L'artiste fait figurer son œuvre dans son autoportrait de 1807, donc qui est au-dessus, et donc je suppose qu'on peut voir ce qu'elle peint. Bah, oui, mais il n'y a rien. Vaguement, ouais. Elle le fait apparaître, mais il n'y a rien dessus, d'accord. Donc elle fait figurer son œuvre dans son autoportrait de 1807. Les critiques s'exclament que seule une femme pouvait avoir réalisé une telle peinture et confirmèrent que de... Alors je pense qu'il manque un mot, que de tel. Est-ce que tu peux me... Parce que j'ai le chat. Excuse-moi, je vais peut-être le baisser par là. Que de tels sujets étaient appropriés pour des peintures... des peintres féminins. Ah, pour les peintres féminins, d'accord. On rappelle aussi que toute remarque qui peut paraître sexiste et qui est sexiste, c'était un peu le truc lambda pour l'époque. Quoi. Je rappelle du coup la commande nom pour ça. Et en plus, le deuxième nom, il s'est pas apparu. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est. Non, c'est, donc non. Non, c'est non. Et je vais peut-être mettre du coup... Enfin, faut me dire aussi, parce qu'il y a des moments où je me dis... ça, c'est de la misogynie banale, mais en général, la misogynie n'est pas banalisée. Donc du coup, ce serait bien peut-être que je mette l'avertissement maintenant, ou on fait l'avertissement. Après, c'est plus... Là, c'est plus du sexisme que de la misogynie, parce que... En soi, non ? Bah, oui et non, moi, je sais pas. Bon.
Bref. Si, c'est un peu les socialisations quand même, au final. Ouais, ok. Alors, donc cet éloge doit être considéré dans son contexte, hein, ce qu'on disait de 1804, et avec le fait que l'achat de tableaux en 1805 par Caroline Bonaparte, l'épouse du prince Murat, lança Henriette Lorimier dans les lumières de Paris au temps de l'Empire. Cet élan culmina avec l'achat, 2 ans plus tard, en 1807, de sa seconde œuvre majeure par l'impératrice elle-même. Donc ensuite, deuxième tableau, qui s'appelle Jeanne de Navarre et qui a été peint en 1806, donc qui dépeint Jeanne de Navarre, d'où le titre, fille de Charles II. Bon, il y a sa tête qui apparaît. Fille de Charles II, veuve de Jean IV, duc de Bretagne, dont elle fut la troisième épouse. Future reine d'Angleterre, elle figure sur ce tableau avec son second fils, Arthur, futur duc de Bretagne. Cette peinture est décrite comme exemplifiant la mère dans la mesure où la duchesse remplit son devoir d'éducation envers son fils et lui apprend la piété filiale. Donc là, vous avez à droite Jeanne de Navarre conduisant son fils Arthur au tombeau de son père. Sympa. Exposé au salon de 1806, ce tableau a connu un immense succès. L'impératrice Joséphine l'a immédiatement acquis pour sa galerie de tableaux du château de Malmaison, où il est resté jusqu'à son décès en 1814. Il est maintenant exposé dans le salon de musique de l'impératrice. C'est l'un des premiers exemples du style dit troubadour. Ce goût pour l'évocation du Moyen-Âge fut mis à la mode par Alexandre Lenoir, qui créa en 1795 le musée des monuments français, dans lequel furent exposés, selon un parcours chronologique, les statues et monuments français soustraits aux destructions révolutionnaires. Bon, je vais pas dire ça, on suffit. Pour bien des critiques, ce tableau est un exemple du succès qu'une femme pouvait obtenir dans ce genre de peinture. L'auteur d'une revue de salon qui parut dans le Mercure de France félicita Henriette Lorimier pour ne pas s'être écartée des sujets gracieux dans lesquels son sexe avait l'avantage. Ouh ! Eh bien, donc peindre des femmes qui remplissent leur rôle, quoi. C'est... Oui, ça reste l'essentialisation, encore. Mmh. Est-ce que je le mets ou pas, l'avertissement, du coup ? Comme tu veux. Hein. Sois juge avec moi. Hein. Bon, on va pas lire, hein, du coup, le commentaire d'en dessous de la publication de l'époque va exactement dans le même sens, c'est-à-dire les femmes doivent rester à leur place même dans leur peinture. Et donc vous avez là une série de portraits donc, qui ont été peints par Henriette Lorimier, donc il y a Mademoiselle Madame Marjolin, Le Luthier, portrait de Madame Desmarais et portrait de la marquise de Rennepont dans le château de Saint-Privat. Le bon sexisme d'époque, ouais, non, mais c'est ça. Hein. Et ça, c'est un peu la difficulté. Mais bon, c'était très dur d'être une femme peintre à l'époque, hein. Je pense qu'elles ont déjà gagné cette place-là avec beaucoup de difficultés. Donc, à mon avis, même quand elles avaient des critiques toutes pétées pour dire qu'elles excellaient dans leur art, à mon avis, elles le prenaient comme cool, c'est trop bien, quoi. Mais bon. C'est sûr qu'elle fait pas. En fait, il y a des genres, par exemple, il me semble qu'on avait lu que, par exemple, la peinture d'histoire, les énormes tableaux de peinture d'histoire, il y avait zéro femme qui faisait ça. C'est pas intéressant le passage là ? C'est surtout sur sa vie privée que plus que sur son passage artistique. D'accord, ok. Donc, ouais, en fait, peinture de. Tout ce qui était peinture d'histoire, peinture religieuse. Genre les grands portraits de scènes religieuses, tout ça, c'était pas des travaux qui étaient confiés à des femmes, puisque c'était souvent des commandes, en fait, les énormes tableaux comme ça, sauf exception, mais du coup, on commandait très peu à des femmes, ou carrément, elles faisaient pas ce type de peinture, et là, il me semble que la plupart des femmes artistes qu'on a vues sur le 19e siècle et avant, effectivement, faisaient beaucoup de portraits, pas beaucoup de paysages, surtout c'était surtout portraitistes en fait, ou celles qui faisaient aussi qui peignaient aussi les jardins, qui dessinaient les jardins même. Oui. Après il y a eu un gros retour en arrière parce que je te rappelle que c'est Yaya Tzidzikus qui avait fait des peintures religieuses. Pas des peintures religieuses, mais mythologiques, du coup, ce serait un peu plus dans cette idée-là. Ouais, où en fait, finalement, elle balançait des hommes dans le puits. Je le rappelle. C'est vrai. Ouais, non, mais il y avait des exceptions, mais. Non, mais oui, non, mais dans le sens où ça a l'air d'être un peu plus.
Tu vois, en fait, c'est des choses où il y a eu quand même des allers-retours dans, dans le rapport au sexisme aussi, et ça, c'est un truc qui est un peu connu, c'est qu'il y a eu des gros rappels religieux, en fait, qui ont remis à la place les femmes, voilà. Et c'est un peu toujours le cas quand on regarde à notre époque, hein, au final. C'est triste. Ouais. Bon, du coup, donc Henriette Lorimier, est-ce qu'il y a d'autres choses sur, le, sur la page là où c'est juste Après, il y a, les dates. Donc 1800, on avait raison. Hein. Une tête d'après nature. Non, je crois que t'as eu une bonne jugeote. Une bonne intuition. Sauf que 1800, c'est le début d'une frise. Et je crois qu'on avait fait qu'une fois 1900. Ah, bah mais 1801. Non, on va mettre 1800. On va mettre 1800, on se voyait aujourd'hui. Et œuvres conservées dans les collections publiques. Alors, il y en a où à Dijon, Grenoble. Au musée de la musique à Paris, à Rueil-Malmaison, donc musée national des châteaux de Malmaison, et à Versailles. Ok, ça fait pas mal d'endroits. C'est quoi le musée de la musique à Paris? Nous ne savons pas. C'est à côté du conservatoire, je crois. Tu crois? Je sais pas. En tout cas, si vous êtes à Grenoble, au musée de Grenoble, ou à Dijon, au musée Magnan, vous pouvez voir des œuvres de cette peintre. Ok, donc 1800. Allez, on essaye de mettre 1800. Et on regardera après si on voit plus d'œuvres, ou en plus gros. Oui, de toute façon, on fait toujours comme ça, hein, on fait toujours dans cet ordre-là. 1800. Ah oui, puis on n'a pas du tout début du 19e. On a presque rien entre ici. Et ben. Oui, c'est vrai que j'ai tout bloqué. Attendez, parce qu'il faut que je débloque tout. Je crois qu'en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait laissé la date en rouge et qu'on avait mis le nom en dessous, il me semble, pour montrer que c'était le début ou la fin de la frise. Perdu. J'ai bloqué des. T'as tout bloqué. J'ai tout bloqué. On a cassé la frise. Non, mais j'ai bloqué toute la frise parce que j'ai essayé de faire des trucs. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est le début de la saison. On se remet d'aplomb. Ah oui, c'est parce que j'avais séparé l'épisode 1. Okay. C'est pour ça. J'avais séparé l'épisode 1. Ah. Alors, bah, si vous n'êtes pas habitué, je vous fais un petit truc. C'est que donc 13 bis qui fait la frise, c'est toujours un moment compliqué. Surtout plus on avance dans le temps du stream et plus c'est compliqué. Donc, C'est parce que j'ai jamais remodifié quoi que ce soit depuis le début, donc en fait c'est un peu ma bêtise à moi. Le running gag de ça, c'est 13 bis qui dit oui, la frise, il faudra que je la modifie. Et qu'en fait. Faut juste que j'ai un peu le temps, mais je pense que. Mais non, mais tu. Oh. Mais non, mais c'est pas grave, on arrive à lire. Est-ce que vous avez envie, public attentif, de voir un stream entier de Freeze? Arrête, Evimbel était déjà là quand on a fait. C'est là où on a beaucoup discuté d'ailleurs, Evimbel. Et ouais, c'est au moment des miniatures. Ah oui, mais les miniatures c'est une chose, mais refaire la Freeze c'est une autre, tu vois. Est-ce que je la laisse? Non, tu la laisses pas comme ça. Tu n'as jamais fait ça, je suis pas d'accord. C'est bon, regarde, c'est pas. Ah si, d'accord. Ouais, c'est oui, long. Parce que c'est. Non, c'est bon. Il y a plein de places. Là, on est 1850, hein, je crois. Non, on est. Fin. Si. Non, c'est 1900. Non, c'est 1900 qu'on a coupé en deux. 1800, ça va. Mais sachant que là, on a déjà ouvert une deuxième où il y a. Potentiellement 1800 aussi. Tu vois, ça va se passer, hein. Clairement ça va se passer de la même manière. Ah oui, il y avait eu un running gag aussi la saison dernière, c'est que pendant 3 lives, on a refait les mêmes artistes au début. Ça c'était drôle. Non, on a fait une. Et voilà, Henriette Lorimier. Allez, on regarde son travail. Henriette Lorimier. Je vous ai mis le truc direct. La page Wikipédia. Ouais, et d'ailleurs, je ne fais plus mon travail jusqu'au bout parce que je n'ai pas fait de repères. Et j'ai fait un repère sans nom. Peut-être qu'il faut que j'apprenne à faire des repères avec des noms un jour. Voilà. Bon, allez, on regarde ce travail. On perd des habitudes, hein, je trouve. Hein. C'est dur hein, de s'y remettre, oui. Alors, du coup, vu qu'il y a pas mal Wikimedia. De trucs, ouais, il doit y avoir un wiki. Il va y avoir les mêmes trucs que sur la page, sûrement. Mais... Ah non, il y a plein de choses. Beaucoup, oui, c'est magnifique.
que ça va prendre du temps, ça c'est une autre question. Alors ça c'est l'autoportrait avec le truc à la chèvre qu'on ne voit pas. On peut pas se balader, j'avais oublié qu'on pouvait pas se balader dans Wikimedia. Ah bon? Mais normalement tu t'y arrivais, tu faisais juste... Ah, bonne qualité. Non, ça charge, je crois. Non. Voilà, salut. Et là on voit pas non plus le, son dessin, enfin peut-être que c'était le, à l'époque du enfin, c'était pas ça, je crois. Ah, ou alors c'est sur celui-là qu'on voit. Ah, là, la ça, chèvre, là, oui là il y a la chèvre. Là il y a la chèvre, ouais. Ouais, si vous voyez pas, nous on voit, on va vous zoomer. Si, mais il voit mieux sur le retour que nous, hein. Je sais pas, j'ai l'impression. Une chèvre avec un enfant qui que la chèvre allaite. Mais du coup t'avais un... Là t'avais une flèche. Oui, oui, non, mais il faut que je recule pour pouvoir avancer, c'est très bizarre. Oui. François de Pouqueville. En fait, c'était... Et lui, vieux. C'est François de Pouqueville jeune et François de Pouqueville vieux. Je crois qu'il a adopté la mode napoléonienne. Je sais pas. Peut-être qu'il a un problème de ventre aussi. Il a un peu perdu des cheveux. Belle boucle. Madame de Marjorin. Belle boucle. J'aime bien, c'est quoi, c'est pas des fonds de couche. C'est de la sorte de dentelle, je pense. Enfin... Ah, encore François Pouqueville avec des cheveux qui a des boucles aussi. Il y avait la... il y avait une mode de la boucle chauve. Hein. Si vous êtes chauve, faites-vous des boucles comme ça. Franchement, Macron, il fait un peu ça. Hein. Je sais pas s'il est chauve. Il y a plein de gens qui disent qu'il est. Mon Dieu. Petite mode où il avait un grand front, peut-être. Non, monsieur... je pense que tout le monde est à la mode napoléonienne. Regarde le col, tout ça. C'est l'époque, hein. Regarde lui aussi là. Mais c'est son... le même, c'est le même gars en fait. Ouais, en fait, lui, c'était un fan, tu vois, c'était un fan un peu hardcore de Napoléon. Ok. Un enfant qui fait peur. Alors ça, c'est quoi comme jeu? Ah non, c'est un râteau. Ah, je crois que c'était une sorte de cricket. Vous voyez pas trop parce qu'il y a la caméra, mais. Ah, une signature. Une signature. Alors regardons bien cette signature, nous voyons la belle écriture du L, mais un peu plus de difficulté avec le H. Donc ne schémons pas nos enfants qui sont à l'école. Hein. Mais monsieur, vous avez la tête craquée. C'est L, on dirait pas L. Un couple vêtu de costume historique. On dirait pas le même dessin. Hein, c'est vrai. Bah non, c'est... Il y a un problème de perspective de corps. D'épaule en fait. Ouais. On l'a tous raboté le menton, un peu, ouais. Mais je pense qu'il y a un truc comme ça aussi, tu sais, c'est un peu Instagram de l'époque. Hein, donc, Jeanne de Navarre. Donc on étire le cou parce que ça fait, tu vois, genre noble. On enlève le gras du menton parce que voilà, quoi. et on montre des gens morts en train de prier, quoi. Attends, ça, c'est des détails. Ah ouais, d'accord. Moi, j'aime bien ça, ce genre de petits trucs. J'aime bien ce petit passage, mais on voit pas bien. Les points sur les mains, c'est souvent intéressant. Oh. Ah oui, mais t'es revenu en arrière, il fallait faire la flèche en plus. Ouais. Ça, c'est que des détails du tableau. Si vous voulez faire des pépés, au lieu de faire des pépés manga, vous faites des pépés peinture. Profit pic. Hein. Ah, moi j'avais pépé et un papy, quoi, je comprenais pas. Ouais, mais toi, t'es pas dans le net, hein, j'ai l'impression. Un pépé. Ok. D'ailleurs, en parlant de tout, ça n'a rien à voir. Je vois écrit Raving Bell, mais oui, merci de nous sponsor, Raving Bell. On sait que ça a leaké à cause de Twitch. que tout l'argent que tu nous donnes, moi j'ai fait pépé. Ah, toi aussi? Bah oui. Alors, moi aussi. C'est... Donc on sait maintenant, désolé Raving Bell, on a été découvert de tout l'argent que tu nous donnes. Qui sera bien entendu réinvesti dans cette frise. Elle a peint sa prof aussi, Sophie Regnault. C'était la dernière? Ouais. Ah, c'est la photo. Ah oui, mais attends, mais c'est le même portrait qu'on a dans la fiche Wikipédia de Sophie Regnault. Ouais. Que t'as ouvert à droite. Non, ça c'est pas... Si, là, regarde. Ah oui. C'est pas le même tableau, mais c'est la même tête. Ok. Alors, est-ce qu'on fait la technique de on ouvre tout ce qui est sur le Discord et comme ça nous permet de vider un peu le Discord?
ta maigre participation est la seule, la et donc tu es à 100% de la participation. Sache que c'est beau et que du coup cette participation a dû liquer. Nous sommes donc top 1 mondial, bien entendu, grâce à toi. Oui, je pense qu'on peut, pour répondre à ta question, écouler les trucs. Mais d'ailleurs, Elisabeth Lorimier, c'est pas... c'est Elisabeth Henriette Marthe Lorimier. Est-ce que, du coup, je me permets d'avancer un peu vite, mais est-ce que, du coup, tu as un onglet chronologie des femmes artistes futures qui est à jour ? Oui, il est à jour depuis qu'on a quitté. Donc, tu peux mettre Sophie Regnault dans le truc. Ok. En fait, je te rappelle que avant les vacances, j'avais fait déjà un rangement exprès pour pouvoir prévoir la fin. Et du coup, qu'il y a un onglet chronologie future. C'est magnifique. Donc on continue dans le Discord. Alors par contre, j'ai fermé le Discord, j'aurais pas dû. Bon, on y arrive. Après, on est vachement plus... Un peu plus rapide, ouais. On a fait moins de 40 minutes pour la première déjà, c'est bien. En vrai, en général, on fait... Non mais... Ça dépend des fois. Ça dépend de à quel point on se perd. Je dirais. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal sur le temps d'attente de Discord. Donc, toujours dans Trouvailles. Mais on peut voir les... Ouais. Tu veux que j'enlève ça ? Les gens qui sont connectés. Peut-être que ça va bien de garder les... Ouais. Ok. Je peux vous donner les noms si ça peut aider. Oh non, t'inquiète, hein, c'est juste qu'on fait les allers-retours. Après, si t'as envie de balancer les noms directs préparés pour la suite, ouais, n'hésite pas. Hein. Donc, Adélaïde. Elle me dit quelque chose. Non. Ah, on peut faire une petite recherche dans le Frama de toute façon. Non, c'était une Adélaïde de qui était en. Ah, comment ça s'appelle ce... En Australie, je crois. Ah non, Adélaïde, c'est une ville lieu, en Australie. Le lieu australien, ouais. Ok. Alors du coup, je sais pas si on peut faire un petit check là pour voilà. Si, on peut faire un check. On va faire un check. Fais le petit, juste le pouce vers le haut. Non. Ah, non, tu veux on un faire check un check. Mais en vrai, genre on l'a fait et tout. Comme ça, le petit cancanou, si elle passe dans le coin, c'est tu vois ce qu'on fait. Hop. Et tu l'as pas mis sur Elisabeth Lorimier. Oui. Enfin, ah, je suis Tatillon. Est-ce qu'il est dans les récents mais non. Eh ben non. Bien entendu. Bien entendu. Très bien. Voilà, on a fait ce qu'on devait faire. Alors, elle s'appelle Adélaïde Labille Guillard. Alors attends, Guillard. Je vais justement faire un petit repère pour moi. Merci. Donc, qui est dite aussi Adélaïde Labille des Vertus. Elle est née en 1749 à Paris et elle est morte en 1803. Donc c'est une artiste peintre, miniaturiste et pastelliste française. Mais si on l'a faite. Ben... J'ai l'impression qu'on l'a fait. C'est ça. Hein, en fait, c'est incroyable cette histoire. Attends. Mais juste Adélaïde, peut-être. Je vais chercher une Adélaïde, parce que non, c'est pas ici. Ça me paraît bizarre, parce qu'en fait, c'est vrai que le style du tableau... Après, c'est tableau de... Ah bah non. Eh bien non. Et oui, t'as mis toutes les manques de ressources, donc de toute façon, non, mais peut-être qu'elle peint juste comme quelqu'un qu'on a eu l'impression d'avoir déjà vu. Hein. Ouais, après, c'est des peintres de cour, donc c'est oui, vrai non, que, mais... on va souvent se poser la question, je pense. Alors, de toute façon, c'est toujours pareil, on commence à lire la page, après on dit, mais si. Alors, donc, voilà, elle est née d'un couple de bourgeois parisiens. Son père est mercier. Qu'est-ce que c'est mercier comme métier? Quoi, Mercier, c'est quand tu fais du de la couture. Enfin, c'est quand tu plies le foin là. Le mercier est un quoi? L'ensemble des articles qui servent pour l'habillement et la parure. Fil, aiguille à coudre, tricoter. Ah oui, donc je fais bien ce que je disais. Ah, c'est... mercerie alors. La personne qui tient une mercerie, c'est un mercier. Mercerie. Ah, pardon. Et toi, t'as traduit commerçant par bourgeois, ça m'a fait rire. Mais c'est vrai que l'époque, c'était. Enfin, maintenant. Aussi, mais j'ai pas dit commerçant, si, j'ai dit commerçant. T'as dit bourgeois, t'as dit. Bourgeois parisien au lieu de dire commerçant. C'est ce que je viens de dire. Mais il y a écrit bourgeois, hein. D'un couple de bourgeois parisiens. Ah, je croyais que tu lisais le début. Hein. Mais non, il y a écrit. Un couple de bourgeois parisiens. De toute façon, t'avais raison. Voilà.
Alors donc, il est propriétaire de la boutique de mode à la toilette, située rue de la Ferronnerie, dans la paroisse Saint-Eustache. C'est dans cette boutique que débuta Jeanne Bécu, future Madame de Barry. Ah, c'est Madame de Barry ! Ah bon ? Tu connais Madame de Barry, toi ? Bah, c'est pas celle qui est dans Madame de Bovary ? Non, comment s'appelle Madame du Barry ? C'est pas dans... Y a pas une ref dans... Je sais pas. Autant en emporte... Comment s'appelle le truc là, de Proust ? Je sais pas. Y a pas une ref dans... Bon, je vais checker. Moi, c'est une favorite du roi, il y a écrit. Oui, mais justement, je crois que dans Proust, il fait une référence à du Barry, mais je suis pas sûr. Okay. Bon, là, c'est sa sœur aînée, elle est mariée à machin. On ignore si Adélaïde garde contact avec Gros, donc Jean-Antoine Gros, sa seconde épouse, la pastelliste Pierrette Madeleine Cécile Durand, et son fils, le peintre de l'Empire Antoine Jean Gros. Ok. Ses mariages, bon, on s'en fiche. Formation artistique. Alors. Attends, je place bien, qu'on puisse tous lire. Adélaïde Labille Guillard maîtrise admirablement la miniature, le pastel et la peinture à l'huile, mais on ne sait que peu de choses de sa formation, sur sa formation. Étant une femme, elle est exclue des formations fournies par les peintres dans leurs ateliers, ne pouvant pas suivre l'enseignement aux côtés de jeunes hommes. Elle suit donc seule un enseignement auprès de maîtres acceptant de prendre des jeunes filles comme élèves contre rétribution. Durant son adolescence, Adélaïde suit une formation de miniaturiste auprès du portraitiste, habile miniaturiste et peintre à l'huile, François-Élie Vincent. Après, on nous dit qui est François-Élie Vincent. Elle va faire son apprentissage du pastel chez un maître du genre qui s'appelle Quentin Delatour, et pas Fantin Latour. Non mais Quentin Delatour, c'est le... Oui, c'est lui. Regardez, ah, on l'a déjà vu. Vous connaissez ce même Quentin... Mais non. Mais si, c'est un même, lui. Mais non. Je te jure que c'est un même. Mais pourquoi? Ouais, c'est un même. C'est Deal With It. Il y a un même Deal With It avec ce mec-là. Waouh, ok. On a déjà vu son visage, en fait. Oui. Elle est ensuite initiée à la peinture à l'huile par François-André Vincent. Donc elle est admise à l'Académie de Saint-Luc en 1769 grâce à François-Élie Vincent, alors qu'elle a à peine 20 ans. Pour son agrément, elle présente une miniature dont on ne sait rien. Voilà. Appartenir à l'Académie de Saint-Luc permet à Adélaïde d'exercer professionnellement son art. De nombreuses femmes artistes appartiennent à l'Académie de Saint-Luc. On compte 130 femmes en 1777. Donc en gros, on a 130 femmes artistes au XVIIIe siècle qu'on ne connaît pas. Et qui faisaient partie de l'Académie de Saint-Luc, qu'on peut peut-être se noter quelque part. On a un onglet spécial de groupes. On a un onglet spécial groupe, donc à chercher justement. Hop. Et oui, on a tout préparé. Est-ce que tu peux me monter la page jusqu'au deuxième... Non, descendre, pardon. Jusqu'au deuxième paragraphe. Oui, bah, jusqu'au deuxième paragraphe. Non, l'Académie de Saint-Luc. Mais dans ce cas-là, n'oublie pas qu'à partir du moment où ça te dépasse ici, on voit plus. Oui, mais j'ai lu jusque-là déjà. Donc, du coup, faut que tu me préviennes, hein, oublie pas. Alors, ce n'est qu'en 1774 qu'elle expose pour la première fois au salon de l'Académie de Saint-Luc. Donc, 1774, vous retiendrez cette date pour mettre dans la frise. L'œuvre qu'elle y présente est un portrait de magistrat au pastel. Dès cette première exposition, Adélaïde voit ses œuvres comparées à celles de Elisabeth Vigier Lebrun, voire le stream précédent. Ouais. Celle-ci, dont le père était l'adjoint d'un ancien professeur, est entrée avec facilité à l'Académie de Saint-Luc. Les critiques prennent soin de ne comparer entre elles que des œuvres réalisées par des femmes. J'ai pas trop compris cette phrase, mais d'accord. Le succès de ce salon fut tel que l'Académie royale de peinture et de sculpture en prend ombrage. L'édit de mars 1776 abolit jurande, communauté et confrérie d'art et de métier. L'Académie de Saint-Luc ferme donc ses portes en 1777. Ouais, on ne savait pas ça. Dès lors, Adélaïde cherche à entrer à l'Académie royale pour se faire connaître.
Pour y entrer, il est nécessaire de présenter une peinture à l'huile. Elle commence son apprentissage de la peinture à l'huile auprès de son ami d'enfance, François-André Vincent. Après la fermeture de l'Académie de Saint-Luc, le Salon de la Correspondance, un salon permanent, est créé en 1779 rue de Tournon par Pahin de la Blancherie. Merci 12 bis, t'es un peu bruyant. Alors j'en suis à où, voilà. Les artistes n'appartenant pas à l'Académie royale de peinture et de sculpture peuvent y exposer leurs œuvres contre une cotisation minime. Il ouvre en 1781. Adélaïde choisit de n'y exposer que des pastels qui sont bien accueillis par les critiques. François-André Vincent, reçu tout juste à l'Académie royale de peinture, envoie à Adélaïde plusieurs personnalités de l'Académie comme Vienne, les professeurs Voiriot et Bachelier, son ami Suvé, pour faire leurs portraits. Ces hommes, appréciant le talent de l'artiste, sont alors acquis à sa candidature à l'Académie royale de peinture. Et donc en 1782, elle expose au Salon de la Correspondance son autoportrait au pastel et les portraits à l'huile de Vincent et de Voiriot. Donc le Salon de 1783 et le pamphlet. Donc qu'est-ce qu'elle a fait ? En 1783, elle finit la série des portraits d'académiciens au pastel. Ils sont représentés assis, en buste, en habit et tenant leur couvre-chef sous le bras. Ah du coup, on va faire un jeu d'essai de famille ? Enfin, pas des jeux de cette famille, mais comment ça s'appelle, tu sais, le pièce. Parce qu'il y aura tout, il y aura beaucoup de, il y aura beaucoup de femmes artistes qu'on a déjà traitées, du coup. Ouais, c'est possible. Grâce aux relations de sa famille avec le sculpteur Pajou, Adélaïde obtient la commande de son portrait. Le portrait est exposé en 1783, où il est accueilli chaleureusement pour sa ressemblance. Les critiques comparent les pastels d'Adélaïde avec ceux de Quentin de la Tour, le maître du genre. Adélaïde est une artiste reconnue dans ce domaine. Sous le titre de suite de Marlborough, au salon 1783, un auteur demeuré inconnu publie des couplets où les femmes peintres Anne Valéier-Coster et Elisabeth Vigée-Lebrun et Adélaïde Labille-Gaillard sont injuriées, de même que le peintre eut lors du salon de 1783. Alors, Anne Valéier-Coster, on l'a déjà vu. Elisabeth Vigée-Lebrun, on l'a déjà vu. Et du coup, Adélaïde, on l'a encore maintenant. Voilà, donc Adélaïde est accusée d'avoir de nombreux amants, dont François-André Vincent. Il ne s'agit que d'accusations mensongères courantes pour les femmes qui exercent un métier défini alors comme masculin, d'autant plus quand, comme Adélaïde, elles se sont séparées de leur mari. Dès qu'elle en prend connaissance, Adélaïde écrit à la comtesse d'Anguivilliers, épouse du directeur des bâtiments du roi, une lettre pour faire arrêter la publication de ce pamphlet. Cette femme, qui a des relations, n'a aucun mal à confier à la police cette affaire. Tous les pamphlets imprimés sont détruits. Malgré ce pamphlet, ses amis artistes comme Vincent et Pajou continuent à soutenir Adélaïde. Heureusement. Ensuite, en 1773, elle va entrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture, donc en même temps qu'Elisabeth Vigée-Lebrun. Alors que Vigée-Lebrun doit sa nomination à la reine, puisqu'elle était peintre à la cour, Adélaïde la doit aux amis qu'elle a parmi les académiciens. Oui, vous avez été aidé. La première effigie d'artiste qui servit de réception est celle du sculpteur Jacques Sarrazin, peint par François Lemaire. Pourquoi il me dit ça ? La première effigie d'artiste qui sert. On s'en fiche ? Les dimensions standards, les nanas, représentent principalement des... Ok, donc ça, ils nous décrivent un genre, en fait, c'est ça ? Les effigies d'artistes représentent principalement des peintres d'histoire et des sculpteurs portant perruques, debout ou assis dans leurs ateliers, tenant le plus souvent le crayon, la palette ou le ciseau et entourés d'objets décoratifs qui précisent leur spécialité. Chevalet, carton à dessin, gouge, maillet, marbre, etc. Adélaïde suit cette tradition avec son premier morceau de réception à l'Académie. Le portrait de Pajou sculptant un buste de Lemoine, œuvre avec laquelle elle a obtenu un grand succès, est présenté au salon de 1783. Adélaïde Labille-Guillard, comme le portraitiste Latour et Duplessis, diffère
la remise de son second morceau à de réception. Alors je sais pas si c'est moi qui ai du mal à lire ou c'est écrit bizarrement, mais bon, en tout cas, vous venez d'apprendre en même temps que moi ce qu'est une effigie d'artiste en peinture. Donc c'est représenter des personnes par leur activité qui posent assis. On regardera tout à l'heure les images. Donc au salon suivant, on est en 1785, l'affaire du pamphlet est passée, des académiciens influents ont accepté de poser pour Adélaïde, donc là on nous cite les gens, ses portraits sont présentés au salon avec son autoportrait avec deux élèves et des portraits de plusieurs femmes de la haute société, dont la comtesse de Flahaut, belle-sœur du directeur des bâtiments du roi, blablabla. On peut voir la commande de ce portrait comme un soutien officiel de cette famille au peintre. Les critiques sont toujours élogieuses sur le travail de l'artiste. Et donc ensuite, elle va obtenir une pension de 1000 livres en 1785, alors qu'elle est dans une situation financière difficile, étant séparée de son époux. Pour subvenir à ses besoins, elle prend des jeunes filles comme élèves, dont Marie-Gabrielle Capet. Et nous ne connaissons pas Marie-Gabrielle Capet. Voilà. Le peintre de mesdames. Est-ce que tu peux baisser la page jusqu'au prochain Alors, voilà. Adélaïde est invitée à Versailles à faire le portrait de mesdames, les tantes du roi Louis XVI et de madame Élisabeth, la sœur du roi, en 1786. Est-ce que tu allais dire Louis Croivet Bâton, oui, bah oui, parce que... Elle est une pastelliste et un peintre reconnu, membre de l'Académie royale de peinture. Ses commandes de la famille royale donnent à Adélaïde une célébrité accrue parmi les membres de la noblesse. Les tantes du roi, satisfaites de leur portrait, demandent pour leur peintre le titre et le brevet de peintre de mesdames, qui fut accordé en 1787. Elle partage cet honneur avec le peintre allemand Johann Julius Heinzius. Donc, trop bizarre quoi, t'as un brevet pour dire que t'es le peintre de mesdames. Et tu peins que les dames de la cour. Adélaïde la Ville Guillard expose au salon 1787 les portraits des trois princesses, donc Madame Élisabeth, Madame Adélaïde en tenue d'apparat et Madame Victoire au pastel. Le portrait de Madame Adélaïde est un portrait en pied destiné à montrer la princesse dans toute sa splendeur. Elle est peinte en costume d'apparat, debout, aux côtés du portrait en médaille de son père Louis XV et de sa mère et de ses frères, tous décédés. Voilà, voilà. Ensuite, la Révolution. Peintre Dame. Pourquoi ça s'est bloqué? Bah, il a écrit Dame. Dane, c'est pas dans les filtrés, hein. Pourtant c'est qui a bloqué ses 12 bis? Eh, 4, hein. Waouh, ça compte, hein. Dur. Oh. Attends, je vais appeler 12 bis, là, je vais lui crier dessus. Tu vas lui crier dessus parce qu'il met des cartons. Mais oui, parce que j'ai mis dans la bio de 12 bis que c'était une voisine bruyante. Ouais. Alors, en 1790, la Révolution française pousse Adélaïde à partir à la recherche d'une autre clientèle dans un milieu politique très actif. Elle s'est introduite dans l'entourage du duc d'Orléans, comme en témoigne le portrait de Madame de Genlis, sa maîtresse. À la même époque, elle défend devant l'Académie royale de peinture le fait qu'elle doit être ouverte à toutes les femmes sans limitation de nombre. Elle est soutenue par ses amis Vincent, Pajou, et Migé. Mais le vote n'est pas considéré comme valable. En 1781, est-ce que tu peux juste me baisser la page, s'il te plaît ? Encore. En 1781, non. Les tantes du roi. Hein. Oui, 91. Je les tantes. Chercher 81, du coup. Les tantes du roi se réfugient en Italie. Adélaïde doit trouver de nouveaux patrons. Elle fait donc les portraits de 14 députés à l'Assemblée nationale, dont celui de Talleyrand. En retour, celui-ci propose à l'Assemblée de donner aux femmes privées de fortune les moyens de subsister par le produit de leur travail. Son portrait de Robespierre est connu pour son cadrage innovant et son fond neutre. Les critiques étant bonnes, Adélaïde s'assure d'être soutenue par les nouveaux puissants à Paris. En 92, ayant une pension du roi, elle risque d'être prise pour une personne soutenant la monarchie. Elle choisit donc de partir de Paris pendant quelques temps pour Pont-aux-en-Brie avec François-André Vincent.
Miaou. En 1793, lors de la Terreur, Adélaïde est forcée de détruire son grand tableau « Réception d'un chevalier de l'ordre de Saint-Lazare » par Monsieur, auquel elle travaille depuis plusieurs années. Il s'agit d'un portrait du frère de Louis XVI. Sous le choc de la perte de son œuvre, Adélaïde ne participe pas au salon de 1793 et cesse de peindre pendant un temps. Et vous aviez à droite donc le portrait de Maximilien Robespierre en habit de député du tiers-état. Ah oui, ça c'est la peinture qui est faite par Pierre Roche-Vigneron selon le pastel de Adélaïde l'habile gaillard. Grâce à Joachim Le Breton, chef des bureaux des musées, elle obtient une pension de 2000 livres en 1795 et un logement au collège des Quatre Nations. Elle possède aussi un atelier à l'Institut de France. Elle expose les portraits de Joachim Breton et François-André Vincent au salon de 1795. Elle continue à exposer des portraits au salon en 98 et en 1800, étant toujours bien vue des puissants par son attitude assez favorable à la Révolution. Ah bah ça prend de l'argent à la monarchie, et puis après, ça coupe des têtes, quoi. Bah c'est vrai. Bah oui, normal. Au XVIIIe siècle, on refuse aux femmes de copier des modèles vivants. Cela étant contraire à la décence pour les femmes. Ainsi, les femmes voulant peindre des modèles vivants devaient mener une carrière d'autodidacte. Cette limitation dans l'apprentissage des femmes artistes explique pourquoi celles-ci font principalement des portraits en buste. Adélaïde ne se distingue pas de ses consœurs en ne faisant que des portraits au pastel ou à l'huile, coupés à la taille ou à la poitrine. Le pastel, bien qu'étant une technique difficile à maîtriser, est considéré comme une technique féminine. Le pastel est en effet idéal pour faire des portraits en buste sur de petites surfaces de papier. Le portrait au pastel est un portrait intime. On choisit l'huile pour représenter sa famille de manière officielle. Les portraits d'Adélaïde sont connus pour leur réalisme. Contrairement à Elisabeth Vigier-Lebrun, elle n'arrange pas le visage de ses modèles. Waouh, j'ai entendu, elle a un filtre. Elisabeth. Oh, elle a un filtre beauty. Ouais. Sur environ 70 œuvres aujourd'hui connues de Adélaïde Labille-Guillard, moins d'une dizaine sont des portraits en pied. Ces derniers sont des commandes de personnes illustres comme Madame Victoire ou le peintre Van Loo. La majorité des personnes représentées par Adélaïde sont des femmes. Les portraits d'hommes qu'elle réalise sont le plus souvent ceux de personnes de son entourage ou de celui de ses amis, en particulier du peintre François-André Vincent. Les portraits d'hommes sont faits dans l'objectif de servir l'avancement de sa carrière. Elle avait tout compris. Je peins des femmes pour le style et des hommes pour la thune. Ça, la vie. Les portraits d'hommes sont faits dans le... Ok. Ce choix d'Adélaïde dans ses sujets est sans originalité pour l'époque. Il est partagé par d'autres femmes artistes. Adélaïde prête plus d'attention à ses modèles masculins après le scandale lié au pamphlet lors du salon de 1783. Au moins deux autoportraits sont réalisés par Adélaïde. Ce type de portrait est connu puisque des artistes offrent parfois leur autoportrait à l'Académie royale. Par exemple, l'autoportrait de Rigaud au turban, légué par le peintre en 1743. Bon, ok. Bon, il parle beaucoup des formats, donc là, il parle de la formule de l'autoportrait. Voilà, par l'interprétation. Donc là, vous avez à droite l'autoportrait d'Adélaïde Labille-Guillard. Dans le cas d'Adélaïde, il s'agit avant tout de se représenter comme un peintre et une femme. C'est pourquoi on observe dans ses autoportraits un soin tout particulier à ses vêtements ainsi qu'à ses attributs de peintre. Dans son autoportrait au pastel, Adélaïde se présente comme tout peintre avec pinceau et palette devant une toile. Elle apporte un soin particulier, comme dans les autres œuvres, au rendu du tissu et au point de dentelle. En 1785, dans son autoportrait avec deux élèves, elle décide cette fois de se représenter dans toute la splendeur acquise par son statut de peintre de l'Académie, avec une robe coûteuse qui accroche la lumière. On ne peut qu'admirer le talent du peintre pour le rendu de cette robe. Elle tient toujours pinceau et palette, mais le spectateur la voit désormais par les yeux de son modèle. Derrière elle se tiennent ses deux élèves, Marie-Gabrielle Capet et Marie-Marguerite Carreau de Rosemont. Et Marie-Marguerite Carreau de Rosemont, tu peux aussi l'ouvrir pour plus tard. Voilà sa galerie de peinture. Ah, si. Si, on l'a ouvert là-haut. Elle est belle la photo.
Ouais, elle a une peinture incroyable. Différente des autres de l'époque. Si c'est bien son autoportrait. Ouais, Augustin Pajou. Mais là, c'est Jean-Baptiste Lemoine, pourquoi il nous montre des quoi? Mais non, c'est Augustin Pajou modelant le buste de son professeur. Ah, oui, ça, c'est les trucs qu'il me disait là. C'est qui ramène la thune. Non, c'est les portraits dont il parlait tout à l'heure, là, les effigies d'artistes. À côté, t'as le portrait de Charles Amédée Vincent, machin, là, Amédée Philippe. Il y a avec ses pinceaux. Après, t'as Madame Adélaïde. Et c'est fou que ce soit de ça, c'est du pastel, du coup. Ouais. Les trois, en fait. Ouais. C'est fou. Pastel gras, surtout. C'est incroyable. Ensuite, en dessous, on a François-André Vincent, donc le peintre qui l'a formé. On dirait mes lunettes. Mes lunettes sont dans un état, on dirait. Non mais lui, elle, carrément, elles sont accrochées derrière ses cheveux. Quoi. Ensuite, après, t'as quoi? Madame de Selve faisant de la musique. Réception. Ah bah, elle a fait quand même réception par le comte de Provence d'un chevalier des ordres, machin. Elle a quand même fait ça. Ça, c'est rare, par exemple. Et c'est un pastel aussi. Huile sur toile. Ouais, donc du coup, c'est un des travaux qui normalement était interdit. Peut-être ouais. Avant, au moment de. Non, mais elle l'a peut-être fait sans. Pas su, fin, sur. D'après mémoire. Oui, c'est toujours d'après mémoire. En fait, ça, c'est trop sur le vif pour pouvoir. Bah, oui. C'est comme si tu disais à l'Assemblée nationale, je sais pas qui descend quelque part, tu vois. Mais c'est comme c'est le sacre de Napoléon. Oui, le sacre de Napoléon, il a totalement été remixé, parce qu'en fait, c'est plusieurs petites scénettes avec des costumes. Faut imaginer que c'est un peu comme les effets spéciaux. C'est en fait, tu faut couper le tableau en plusieurs petites parties pour pouvoir avoir un tableau gigantesque comme justement le sacre de Napoléon. Et ça se voit même d'ailleurs. Je crois qu'ils ont refait des rayons X récemment parce qu'ils ont trouvé. Alors d'ailleurs, je sais pas si je suis tombé sur un IRM de Potimarron aujourd'hui parce qu'en fait ils ont réussi à faire. Alors je précise pourquoi. Ils ont trouvé une technologie pour faire encore plus de détails dans un IRM. Ce qui fait 8 microns. Donc j'ai imaginé 8 microns, c'est beaucoup moins qu'un centimètre. Voilà. Dans tous les sens. C'est-à-dire vertical vers le haut, vertical vers le bas. Enfin voilà. Vertical et horizontal à gauche et à droite. Et du coup, en fait, il y a la coupe. Incroyable. J'ai trouvé sur Twitter tout à l'heure. Et je crois que je l'ai pas liké. Mais incroyable, je retrouverai. Ouais, mais on c'est peut-être Arte. Non, ça va prendre 15 ans, mais je ferai tourner, je pense, dans le Chipstream. Moi, j'ai envie de dire quid de la coupe de cheveux de cette princesse de Montléar, là. Non, à gauche. Ah oui. C'est impressionnant quand même. C'est presque un mulet. Ouais, hein. C'est presque un coupe mulet long. Ouais, c'est la mode c'est en ce moment. Ouais, mais les femmes se détachaient pas les cheveux en fait. Bah, ça dépend, parce que dans l'intimité, c'est justement ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que si tu mets les femmes dans un rapport d'intimité constamment pour pouvoir faire des portraits, tu peux te retrouver avec des portraits comme ça. Mais c'est marrant de se retrouver avec une princesse, par contre. Ouais, c'est super bizarre, en fait. Mais c'est pareil, j'étais un peu... Enfin, on n'a pas l'habitude de voir aussi les traits vieillis d'une personne, surtout quand c'est une madame. Donc ouais. Intéressant. Pareil, là aussi, c'est très, très sans apparat, quoi, entre guillemets. C'est ça, c'est en robe de chambre, quoi. Presque, quoi. Avec l'éventail, en plus. Donc, c'est vraiment dans un moment de repos, quoi. En fait, c'est, les objets utilisés dans les portraits comme ça, c'est souvent des trucs qui signifient un moment. Donc, ouais. Alors, j'ai vu ce que je regardais pendant que... Bon, attends, on va regarder la date, d'abord. Et après, on en parle. C'était, je me souviens plus, 1783, je crois. Ouais, c'est ça, tu m'avais dit 81 deux fois. Peut-être que c'est peut-être à cause de ça. C'est plus haut. Encore. Et reçu en 83 en tant que. C'est ça, c'est 1783, je crois. L'Académie royale de peinture. C'est encore au-dessus, je crois. Au salon de 83. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y en avait encore avant, parce qu'il y avait écrit... C'est ça, sous le titre dedans, au salon, 1783, un auteur demeuré inconnu a publié des bouquets, des femmes. Ouais, mais remonte encore, parce que... Ici, le là, portrait est exposé. Ouais, mais du coup, c'est... Bah, il est exposé, tu vois, en 1782, elle expose au salon de la correspondance,
Et encore avant. Le succès de ce salon fut tel que les 10 de mars abolit. Ah oui, parce qu'il y a l'Académie. Voilà, 1774, ouais, qu'elle expose pour la première fois au salon d'Académie. 1774. Ouais, on va faire ça. Et après, je vous parle du Paris, du coup. Ah, bah elle est à la même date. Bah du coup, oui, c'est vrai que c'est à la même date que Vigilio. Oui. Naturellement. Et Anne Vallée-Coster, tu vois, elle était en 71. Ah, c'est pas droit. Ah, c'est pas droit. Alors ouais, j'ai trouvé, on avait trouvé au dernier épisode qu'il y avait des trucs pas très droits. C'est étonnant. Bon. Marie-Suzanne Rollin. Est-ce qu'on peut parler du fait que on appelle souvent les femmes vraiment uniquement par leur prénom, constamment? Oui, bah parce que c'est long. Ouais, mais par exemple, Amédée Philippe de Vandeloup, là, ils l'ont dit constamment avec l'ensemble, tu vois. Mmh, ouais. Comment ça, t'as pas le droit, Raymond Bell? J'ai pas le droit de quoi? Moi qui ai pas le droit? Qui a pas le droit? De qui parler qui de, c'est quoi de parler de Du Barry. Alors, Du Barry, justement, c'est intéressant parce que j'ai lu sa page Wikipédia là pendant un moment. Du coup, on a fait deux choses en même temps. Je vais vous montrer. Alors, Madame de Du Barry, moi je sais d'où ça vient, pourquoi je la connais du coup. Donc, Madame de Du Barry, c'est un personnage très connu. Calembour, c'est pas droit, t'as pas droit. Ah oui, oui, bien sûr. Bien joué, bien joué. Excuse-moi. Ah, mais là, 22h15, ce type de blague est compliqué pour nous. Ouais, le cerveau. En plus, on a osé boire du vin. Un verre de vin. Et c'était déjà dur. Nous qui buvons rarement. Donc du coup bref, Madame du Barry, donc dit née Jeanne Bécu, est une roturière. Et en fait elle a été... Qu'est-ce que ça veut dire roturière? Roturière, ça veut dire qu'elle n'avait pas de thunes, elle n'était pas bourgeoise. Mon dieu. Qu'elle embourse son capillotracté, exactement. Alors capillotracté, ça je sais ce que ça veut dire. Donc voilà, tiré par les cheveux pour ceux qui ne savent pas, hein, celles qui ne savent pas. Donc, Madame Du Barry est... Ok, et donc, sa grande beauté l'a fait remarquer par un proxénète. Non, alors, c'est pas le principal. Le principal, c'est que c'est l'amante slash maîtresse de Louis XV. Et donc, du coup, il y a eu plein d'organisations pour pouvoir... Et donc, Richelieu a organisé le fait qu'elle puisse se pointer à Versailles. Et donc, du coup, en fait, elle fait la passation. Après, elle devient pote avec comment elle s'appelle ? Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Et donc, Satira Barrel, oui, exactement. Et en fait, c'est une des personnages les plus écrits et utilisés dans l'art. Alors, attendez, je vais vous montrer. Bon, elle a une histoire incroyable aussi. Je pense que c'est vachement intéressant à lire. Je vous balance l'union. Mais moi, je vous ai envoyé directement avec le chapitre, qui est le chapitre dans les arts. Ah oui, il y a une opérette. Et donc, elle a fait il y a une opérette, une pièce de théâtre. Il y a 15 millions de films. Tu vois, il y a quoi comme film sur elle? Je connais rien en même temps. Mais bon, Madame de Barry, Passion, film muet allemand. Si, il y a Marie-Antoinette de Coppola, si tu connais. Oui, oui. Avec Asia Argento qui joue du Barry, d'ailleurs. Du coup, le truc, c'est que voilà... Et moi je connais grâce à Lady Oscar. Si vous ne connaissez pas Lady Oscar, cette série animée magnifique, je vais vous montrer. Versailles of the Dead, il y a une série qui s'appelle Versailles of the Dead. Déjà, il y a une série qui s'appelle Versailles déjà de base. Oui, mais il y a Versailles of the Dead, j'ai vu. Alors je vais vous montrer du coup Lady Oscar. Si vous ne connaissez pas Lady Oscar, allez voir Lady Oscar, c'est bien. Je vous montre des images, mais ça va vous rappeler des choses, je pense. Oh my god. même le chat est choqué. Voilà, c'est ce genre de truc là vachement bien. Et surtout, il y a eu un film. Il y a eu un film français, je crois, en plus. Voilà. Mais c'est pas que ça, parce qu'en fait, il y a plein de trucs. Du coup, regarde, Versailles of the Dead, manga oui. Créé par Kumiko machin. Oui, oui, j'aime bien Versailles du côté du Japon. Et du coup, il y a plein d'autres trucs sur la bibliographie aussi. Et il y a plein de gens que l'on connaît qui ont écrit. Et je suis tombé sur... plein de gens qu'on connaît. Oui, Alexandre Dumas, entre autres. Tu connais Alexandre Dumas?
Et il y a aussi, j'ai vu d'autres personnes. La femme au collier de velours. Bah, je sais même pas, je connais même pas ça. Et du coup, je pensais à Proust, mais parce qu'en fait, il y a un truc de personnage un peu pareil, en fait. Mais je pense pas que ce soit une ref directe. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une grosse part du coup de l'histoire française, Madame du Barry. Très bien, ouais. Monsieur. Ouais. Donc okay. Du coup voilà, mais intéressant, du coup je pense que comme histoire ça va être intéressant de... incroyable, parce que du coup ça c'est le pavillon de Madame du Barry. Elle est dans le pavillon. Oui, parce que en fait c'était une des favorites du roi en fait. Oui, et de Marie-Antoinette potentiellement aussi. Je pense que c'est ça aussi. Alors attention, faut lire, parce que moi je suis pas très au courant des histoires royales, mais oui voilà. Ok, donc on a fini Adélaïde. Donc du coup, on range Marie-Gabrielle Capet pour la prochaine fois. Quand on aura épuisé notre Discord. C'est-à-dire jamais. Bon, j'espère que si, mais Marguerite, bah, c'est bien si on fait une saison Discord, une saison de nos onglets. Elle est suisse, Marie, machin, en fait, celle que t'as mis. Ok, on valide, oui, c'est validé. Et maintenant, Louise Joséphine Sarrazin de Belmont. De Belmont, ça me rappelle quelque chose, c'est aussi. Étrange. Et du coup, elle avait trouvé ça où, Petit Grand Canou ? Alors, elle dit à découvrir avec l'expo Peintre Femme. Donc, ça, peut-être qu'on va faire un point là. Hop. Musée du Luxembourg. Oui, il y a eu plein d'expositions. Il y a eu des expositions là, aussi pendant les vacances qu'on a loupées d'ailleurs. 10 séances, c'est sûr. Normalement, à base de 4 par. C'est la tête du Zomirk. Donc, du coup, clairement. Clairement, on est d'accord. Ça fait un moment que j'ai pas vu les lives de Zulzo d'ailleurs. Zulzo Render, allez voir, je crois que. Il y a même un stream, je crois, maintenant. Attends, je vais aller chercher du coup. Regarde, non, c'était tout à l'heure. Du coup, je vous balance le lien tout à l'heure. On n'a jamais regardé un, c'est-à-dire des streams de Zulzo ? Non, t'es abonné. Pourquoi c'est fermé ? Pourquoi c'est bloqué ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, les images. Je suis juste amoureux des images. Et pourtant, je crois que Vendredi Moi Tout, ça peut être pas mal avec Gaël. On sait, c'est ce qu'on, la personne qu'on va regarder, du coup, d'où ça vient. Ça marche pas, en fait. J'ai tout bloqué. Pourquoi j'ai tout bloqué là, voilà. On va autoriser les cookies à un moment, faut peut-être le faire. Je rigole, ça marche toujours pas. Ouais, voilà. Quand on autorise les cookies, tout fonctionne. Voilà, c'est ça. Ah, c'est fini le 25 juillet 2021. On l'a raté. Nous avons raté. Oui, mais on distribue les infos quand même. C'est bien. Et si on peut être sponsor au musée du Luxembourg. Mais tu l'avais déjà envoyé le lien. Tu l'as envoyé deux fois. Ah bon ? Okay, oui. C'est pas grave, ça fait deux fois. et si on peut être sponsor au musée du Luxembourg pour aller au Luxembourg, moi ça me dérange pas. Hein. Mais le musée du Luxembourg, c'est à Paris en plus. Tu dis des bêtises. Mais hein. Je veux bien être invité à la banque du Luxembourg. Madame Nina, s'il vous plaît. Elle est sur le vinyle. Oui. Elle a une lubie. Elle a un kink platine vinyle. Chacha, viens. Je te laisse commencer si tu oui, veux. Oui. Parce que bon, sinon on va parler de Chacha. Alors, notre troisième artiste, Louise Joséphine Sarrazin de Belmont. Elle est née en... Il faut que je ferme les fenêtres. 1700... Il pleut, faut que je ferme les fenêtres, donc j'arrive. Et je m'occupe du chat en passant. Mais tu me coupes pour dire ça en plus. Excuse-moi. Née en 1790 à Versailles, et elle est morte en 1870 à Paris. C'est une peintre et... Pardon, excusez-moi. Et lithographe française. Donc lithographe qui fait de la lithographie, c'est-à-dire une technique d'impression qui permet la création et la reproduction de multiples exemplaires d'un tracé exécuté à l'encre ou au crayon sur pierre calcaire. Voilà. Alors, donc, que nous dit-on ? C'est intéressant, bien sûr. Élève préféré de... Alors, voilà. Raving Bell, il a dit « Vous mentez, il pleut pas ». Moi, j'ai cru. Donc, elle est la fille de Claude-François Sarrazin de Belmont, qui est écuyer,
principal commis du dépôt général des archives de la guerre, élève préféré de Pierre-Henri de Valenciennes, dont l'atelier était ouvert aux femmes, elle expose au salon dès 1812. Ah bah c'est super, merci, on peut arrêter, on quitte, au revoir. Et voilà, c'est tout pour nous, hein, merci. Elle y remporte une médaille de deuxième classe en 1831 et une de première classe en 1734. D'une exceptionnelle longévité, elle débute en 1812 sous l'Empire et sera encore présente au salon de 1876 sous Napoléon III. Ah oui. D'abord protégée par l'impératrice Joséphine, qui lui commande des vues de la Malmaison, elle le sera ensuite par la duchesse de Berry, qui possède 12 de ses vues d'Italie. Grande voyageuse, Joséphine Sarrazin de Belmont rapporte de son premier voyage en Italie entre 1824 et 1826 quantité d'esquisses et de dessins pris de Tivoli, Terni, Subiaco, Naples, Paestum et en Sicile. Cette dernière destination étant peu courante à cette époque pour une femme. D'aller en Sicile ? C'est pourtant bien la Sicile, c'est beau il paraît. Ben, peut-être la Sicile en 1820, c'était une gorge pour une femme. Hein. Mais je suis pas sûr que Paestum et Naples c'était mieux quoi. Je pense que la plupart des endroits sont des films de la France, non ? C'est ça, mais toujours aujourd'hui. De 1828 à 1835, elle travaille dans la chaîne des Pyrénées. Elle en rapporte des études qu'elle transcrit en gravure et dont la vente lui permet de financer ses voyages. On la retrouve en Bretagne en 1837, puis en Allemagne en 1838, puis de nouveau en Italie pour de longs séjours. Donc elle en fait un de 1939 à 1841 et un autre de 1843 au milieu des années 1850. Elle peindra également plusieurs vues d'Île-de-France, notamment en forêt de Fontainebleau. Elle est donc l'une des toutes premières artistes femmes paysagistes à avoir travaillé sur le motif en plein air. Ça, c'est vrai que c'est hyper rare. À cette époque-là, surtout. Ouais. Son atelier parisien, ancienne rue Saint-Germain-des-Prés, sera fréquentée par les plus grandes personnalités de son temps, dont Ingres et Antoine Jean Gros et son épouse Augustine Dufresne, dont elle célébrera le souvenir dans plusieurs tableaux offerts au musée des Augustins de Toulouse. Proche de la sculptrice, entre parenthèses, ultra-royaliste, Félicie de Fauveau. Comment il attend ? Trop bien. C'est trop bien. J'aime bien. Ultra-royaliste. Ultra-royaliste. Je veux bien voir du coup pourquoi c'est la ultra-royaliste. Elle demanda à cette dernière de réaliser un petit monument en marbre dédié au couple Gros. Ok. Célibataire, Joséphine Sarrazin de Belmont terminera ses jours en décembre 70 à Paris auprès de sa compagne Carmela Bucalo Vinciguerra d'origine sicilienne. Ah bah voilà. Elle était protégée par sa meuf. Ça marche mieux quand tu parles en vulgaire que en soutenu, wesh. Ouais. Inhumés ensemble au cimetière de Montparnasse, leur tombe a été relevée en 2005. Relevée, ça veut dire qu'elle a été supprimée ? Oui. Dommage. Voilà, et ensuite on nous parle de ses œuvres dans les collections publiques. Donc du coup, je suppose qu'il n'y a pas grand-chose sur elle. De ses œuvres. Elle nous parle de ses œuvres. Voilà, là ça marche. Il met pas le S, hein. Bon, on s'amusera plus tard donc, avec du coup, le... Donc, ses vues de paysage. Donc, on a dit tout a à l'heure que... Toutes les vues, on a regardé les portraits. On a regardé vite fait. Je sais plus. Non, il y en avait plein sur la page. On a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient des portraits. On a lu tout à l'heure pourquoi elles faisaient des portraits en buste, donc comme ça, là. Et donc là, c'est quand même... Enfin, c'est la première fois qu'on a affaire à une femme qui fait des paysages comme ça à une époque, enfin avant que ce soit les impressionnistes et tout ça, quoi. Il y en avait très peu des femmes qui faisaient ce type de travail. Napoli. Et c'est des hauteurs de Naples et c'est vachement bien rendu parce que ça ressemble exactement à ça. Vue de Pausilippe. Ouais, c'est le quartier là en haut là que les gens ils veulent plus aller maintenant. Tu crois ? Ouais, c'est clairement ça. Donc, regarde, il y a même le port là. Ah ouais, le fort. Le fort, ouais. Et t'as le bout. C'est incroyable. Et derrière, c'est le Vésuve là qui fume. Ouais, c'est le Vésuve là au bout. Le centre commercial, évidemment, le Vésuve. Oh. Comment ça, on connaît Naples ? Ah bon ?
Alors. Paris vu des hauteurs de Père-Lachaise. C'est beau. Hein. Je connais pas du tout son travail, mais. C'est pas mal, hein, c'est cool. Hein. Là, il y a une petite tombe. On aime bien. Hein. Puis il y a une grosse tombe aussi. Hein. Ça, c'est Fontainebleau? Non, pas du tout. Vu de Monte Mario à Rome. Bon, bah ça. Mais y a, t'as vu, on regarde tout au fond là. T'as la petite. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est quoi le Rome? La basilique? La basilique Saint-Pierre. C'est la grosse basilique de la Sainte-Balisique. Au secours! Le truc de l'autre là, Michel-Ange. C'est à Rome ça? Ouais, je crois. C'est pas à Florence? C'est pas le. Quand on essaye avec 13 bis de parler de trucs sérieux, on n'arrive plus. On est démasqués de ouf. Il y a pas de démasquage. Voilà, c'est tout. Genre, on est censé se rappeler de ça? Non, bah non, t'inquiète, Rémi. En plus, déjà, que tu sois connecté en plus pendant que tu vas te coucher, c'est bah, déjà en plus, bien, hein. Comme je fais que lire, même moi, des fois, j'ai envie de m'endormir en m'écoutant. Donc, ouais, nous, on va faire dodo, hein. C'est juste que nous, on va être en live et toi, tu seras en train d'être spectateur. Tu vois, genre. Non, c'est mais. Pas grave, hein. Après, en vrai, on en fait 4 par live, donc là, on va en faire une encore et après, on va conclure. Ouais, parce que là il est 22h30. La dernière fois on a fait fini hyper tard. Mais 1h du matin. C'était des gros artistes aussi qu'on a fait là. En fait, la première série qu'on a fait, c'était vraiment incroyable. Oui, et puis tout le monde a parlé aussi. Tout le monde a parlé. Bah oui, il y a eu. Tu vas pas reprocher les gens qui participent. S'il te plaît. Il y a fait trop de gens. Nous on a l'habitude de une ou deux personnes dans le chat, c'est pas 12. Pas 40. Ouais, expérience de sommeil commun, exact. Non, mais en plus, c'est bien parce que c'est un truc où c'est un peu fait exprès aussi. On n'a pas trop le temps en dehors de 21h, mais en vrai, à partir de 21h, le truc, c'est que justement, on peut se poser, quoi. Ah, il y a eu un raid. Oui, il y a eu le raid dans l'anti-stream la semaine dernière. Et il y a eu. Et ouais, Nana a fait le travail. Et surtout, il y a eu aussi Anartube qui a fait le premier raid. Avec ouais, pas mal de monde aussi. Et c'est vachement cool en plus. Parce que c'est des personnes que j'apprécie, quoi. Du coup, c'est quoi, là, le truc Louise Joseph Sarrazin, machin, vers... Non, dans bibliographie. Paul Menou. Dans dossier de l'art, mars 2021. Ah ouais, c'était... Ah, il y a pas longtemps. On est à jour. Ah, il y a l'article en ligne. Allez, on va regarder vite fait. Oui, mais... Merci. Je prends et je renvoie la balle. Mmh. Et qu'est-ce que vous connaissez, Robin Bell, hein? C'est ma manière de contrer les compliments... En général, allez voir une belle. Hop, voilà. Pour le dodo, je vais rajouter des cœurs, je crois, dans mes sons, hein, parce qu'il faut envoyer des cœurs. Des cœurs. Voilà. On voit des petits ronrons. Et des ronrons. Ah ouais, attends, juste 3 secondes, il faut qu'on discute avec la production de Chronologie des Femmes Artistes. Apparemment, on est devenu affilié, si on signe un contrat avec la boîte de production, un partenaire qui s'appelle Twitch, une petite filiale apparemment d'une grosse entreprise, mais Twitch est en open source actuellement. Donc on se pose la question, c'est bien hein, déjà que ce soit en open source en Creative Commons. Mais on se pose la question actuellement de si on vend notre âme au diable, déjà, parce qu'on n'est pas obligé de signer, mais en plus on a le droit à des sondages, mais on n'aura pas d'emote. Et donc, comme monsieur, madame, les productrices, vous êtes intéressés à la production de ce live, nous avons besoin de... Validation. T'as pas signé. Ouais, c'est ça, faut demander à la prod, hein, moi je suis d'accord. Mais du coup, on aura pas, ça veut dire qu'il y aura pas de emote. On se pose la question de. Est-ce que ça vaut le coup de signer par son son pour avoir des emotes, quoi? C'est un peu la question. Ouais. On n'a pas décidé encore. Je pense qu'on va jouer au dé, hein. On va lancer un dé de 20, on va voir. Hein. C'est comme dans Cthulhu, quoi. C'est soit tu perds ta santé mentale, soit tu perds ta santé mentale, quoi. Mais du coup, t'as fermé l'article, là ? Je viens de réouvrir. Non, je viendrai ouvrir à Louise, parce que je sais pas si on a d'autres trucs à voir. Genre ce côté-là. Et on n'a pas mis la date, je crois, si. Non, mais l'article que t'as ouvert, tu l'as ouvert dans une autre page ? Ou tu l'as fermé? Oui, il est toujours là, Félicie.
Non, l'article. Ah oui, non, je l'ai fermé. Oui, pardon. Parce que j'ai un salaire et je veux pas que les gens dépensent leur argent pour moi. Bah oui, mais si on a envie. C'est pas toi qui choisis, hein. C'est pas toi qui décide. Moi, je te donne de l'argent si je veux déjà. Ouais, non, mais justement, même si t'as un salaire, parce que. Ouais. Non, mais en fait, la grande question sur l'histoire de l'affiliation, c'est pas uniquement ça, c'est aussi la gamification derrière, l'idée de. L'idée de faire jouer justement des gens qui potentiellement pourraient ne pas avoir la thune. Et en plus, est-ce que nous on a aussi l'envie de ça, quoi, en fait? C'est la grande question. Moi, c'est mon plus gros problème actuellement. Et en plus, je sais pas, il doit y exister des streams qui fonctionnent très bien sans être affiliés, sans être partenaires. Donc je sais pas trop. Faut que je m'inquiète de tout cela. Tu cherches la date, peut-être. Ça, c'est pour plus tard. Ah, tu vois que je l'ouvre, mais il n'y a rien. Hein. Mais non, mais c'est parce que t'as tout bloqué. Ah, j'ai tout bloqué, excuse-moi. Excuse-moi, c'est des images. Attendez. Ça critique les sites internet, mais ça bloque tout. Donc... En plus, c'est des trucs, faut télécharger les PDF en général à l'académie. C'est ce que je veux dire. Non, t'inquiète, c'est nous, on se posait la question. Ça. Ah, naissance d'un combat. 1730-1830. Oui, ça c'est... ah ouais, c'est carrément le 1780-1830. En fait, c'est le reste de l'exposition de tout à l'heure, en fait. Parce que c'est la même date. Ouais, c'est possible, bah oui. Peut-être mets-le dans le Discord et on le regardera plus tard. Ouais, je le mets dans Trouvaille. Discussion. Peut-être en discussion, ouais, parce que c'est pas vraiment une trouvaille, ça c'est plus pour ceux qui sont intéressés à avoir des informations. Ok, ben voilà, je regarderai, je pense, moi, parce que ça a l'air intéressant. Ouais, faut sortir toutes les infos. Hein. Ouais, mais bon, on a dit qu'on prenait pas des grosses sources énormes et puis qu'on ouvrait tous les liens, c'est juste pour... Chose que j'ai faite avec Ubu. C'est juste pour préparer un prochain... Ouais. Hors série sur un autre autre chose. Okay. Ah mais du coup j'ai refermé. Non, c'est bon. Du coup la date c'était quoi? 1812. Elle débute en 1812 sous l'Empire, c'est ça? Ouais, je crois. Présente au salon? Non, elle sera encore présente. Ah oui, d'accord, c'est la première présentation en 1812, ok. Elle expose au salon dès 1812. Tu portes, hein? Ouais, purée, moins de prénoms. Mais prends juste Joséphine, s'il vous plaît. Mais non, mais on va tout prendre. Mais c'est 1812, c'est ça? Ouais. Allez, on va chercher du côté de la frise. Moi, j'ai un petit crush pour ça. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Le truc qu'il faut pas qu'est-ce faire. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai changé le format de la page. Oh, j'ai failli tout casser. Attendez. Ouioui. Merci, Redo Move. J'avais lu Academia au début. Mais en fait, c'est un site où les gens ils mettent des PDF et il y a plein de trucs intéressants, mais c'est impossible d'avoir le temps de lire les trucs. En fait, il y a des gens ils mettent leur thèse dessus, quoi. Voilà, c'est ça. C'est, en fait, il y a énormément de sites libres et en accès libre souvent. C'est les sites d'université. Je précise, les universités au Canada surtout, vous pouvez trouver des livres entiers qui sont édités en France payants. Mais il y a des trucs qui sont libres. Je pense qu'on fera un petit topo accès libre de la culture et des sujets, par exemple sociaux et plus. Parce que en fait, il y a pas mal de trucs sur internet hein, gratuits. Sans forcément défoncer le droit d'auteur non plus, hein, parce que c'est justement les auteurs, par exemple, de trucs, ça peut être intéressant. Et oui, les univers de cité, exactement, comme j'aime les appeler. Mais je comprends la blague aussi, hein. Mais je pense que c'est peut-être aussi les sous-titres, ils ont peut-être dit université. Oh, oui, c'est possible aussi, mais je pense qu'il y a aussi la blague, je vois un peu les blagues de Raving Bell quand même. 1800, c'est ça, 12 ? 1812. Ah ouais, on vient d'ouvrir une brèche dans l'espace-temps, hein. Bah, en plus, si on trouve des trucs 1780-1830, c'est pile des périodes où on n'a rien, parce que c'est 1784, je crois, le truc au-dessus, là. Ok,
74. Bah si, hein, tu vois. Si on lit le truc, on ouvre toute la brèche qu'on n'a pas dans la crise. Ah mais c'est très bien, on est au pile au bon moment grâce à Petit Cancan. Vous connaissez Petit Cancan ? Vous connaissez Petit Cancan, nous ? Attends, je vais mettre. Vas-y, alors c'est Petit Cancan. Hein. Non, j'ai mis le ou. Donc c'est Petit Cancan. Non mais t'inquiète, les calembours c'est fait exprès. Quand ? C'est bien, il faut. Amuse-toi. Ah. Voilà. Et qui en ce moment fait des let's play, des premières runs de Shadowrun. Oh, 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 des runs de Shadowrun. Non, c'est Shadow of Colossus. Oui, mais Petit Cancan nous a fait un message pour nous dire qu'elle serait là à partir de la semaine prochaine. Ah oh, mais y a pas de problème. Il y a 12 bis qui fait son énervé là. Donc, pas de mais c'est petit carton genre. Un jour je vous expliquerai tout le lore derrière 12 bis. Il y a un lore. Comme il y a des easter eggs dans ce stream. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des lores derrière 13 bis avant d'être des lores derrière. Ah oui, il y a un lore derrière 13 bis bien sûr. Il y a des années de travail en vrai caché quelque part. Ouais, elle a continué Shadow of Colossus, oui. Ça, hein. Ouais. Je vais centrer tout ça parce que ça me serait. Merci. Le nom, on dirait le mien. 1, 3, BIS. Rigole tout seul, c'est bon, ça fait la fatigue. Et l'alcool. Un verre, ça a tué, hein. Ça m'a tué. Hein. Mais peut-être, après, c'était peut-être du vin à 16 degrés aussi, tu vois, on n'a pas vérifié. Hein, donc. Bah, du coup, il y a eu 4 colosses cette semaine. Tu veux savoir. Donc on en est au 7ème. Et le cheval a failli mourir 15 fois. Allez, on est c'est reparti. C'est bon. Mais t'as pas changé 1836 en 1812. Ah oui, j'ai pas. Ah. Pourquoi la loupe elle s'est mise en. J'ai... Ok. Et j'ai appuyé sur des touches, je fais bugger mon ordinateur. Tout va bien, on est bien dans chronologie des femmes artistes, comme d'habitude, tout se casse en live et en direct. Alors, une dernière, on choisit une dernière, sachant qu'on a fini la liste. Non, on n'a pas tout fini. Non, mais que celles de cette époque-là, je crois qu'après, elles sont plus jeunes. Alors, faudra m'expliquer à un moment pourquoi elle est ultra royaliste, mais ok. On va sûrement savoir. Alors, trouvaille. Donc, tu peux mettre Louise, Joséphine, c'est bon. On va chercher qu'un point en 15 ans le check. Je crois que je vais faire des emotes spéciales disco parce que je l'ai pas fait. Petit Cancanou. Je pense que tu peux. En fait, le truc, c'est que je pense pas qu'elle va. Moi, je dirais elle, mais je m'avance en fait. Moi, je dirais que Petit Cancanou, c'est elle, mais. Elle-même se genre parfois au masculin, mais c'est elle qui le fait. Donc en fait, moi je l'ai jamais genré au masculin. Prends la base de base, et tu essaies d'être le plus large possible si tu peux. Quoi. Non, c'est une mauvaise idée. Je sais pas. Par exemple, tu peux dire j'ai l'impression que Petit Cancanou est content. Ça marchera si tu dis ouais. Je pense. J'avais dit la dernière fois que le mieux c'est de demander. Oui, mais j'ai l'impression qu'elle fait surtout un truc un peu comme en anglais. Enfin, c'est-à-dire qu'elle met pas elle genre pas les adjectifs pour quand elle parle d'elle. J'ai l'impression que c'est plus ça que vraiment un positionnement. Enfin, en tout cas, je sais que près de moi, elle s'est jamais. Elle a jamais dit quelque chose de très tranché là-dessus. Donc, mais c'est une italienne, une peintre italienne maniériste. De Bologne. De l'école romaine. Bologne, c'est italienne du Nord. Bologne. Bah, Rome, c'est italienne du Nord. Maniérisme est un mouvement artistique qui s'étend entre 1520 et les premières années du XVIIe siècle. C'est pas du tout large, c'est ça qui est bien. C'est une réaction amorcée par le sac de Rome.
quoi ? Oui, le sac de Rome, c'est quand tu pilles une ville. Sac. Ah, 2527 qui ébranla l'idéal humaniste de la Renaissance. Ok. Ok. D'accord, et l'école romaine, c'est l'école romaine, quoi. C'est les gens qui habitent à Rome. Non, c'est une école de peinture. Je sais. Oh. Ah, je sais. Oh. Ok, ok. Bon. Donc, Lavinia... Ah, j'ai pas dit quand est-ce qu'elle était née. En 1552. Ah, d'accord, on est revenu... C'est quoi cette photo de l'année 1552? Pourquoi nous, on n'a pas des photos comme ça? L'année bissextile concernant... L'année... Attends, il faut qu'on vérifie. Est-ce que l'année 2021, il y a un mec ou une meuf avec... avec un masque? Genre... Ah non, bah, y a pas de photo. Pourquoi eux, ils ont des photos comme ça et nous, on en a pas? Mais c'était génial. En plus, il y avait écrit, regarde, c'est une année bissextile commençant un vendredi. Genre, c'est archi précis. Franchement, franchement, je suis choqué. Et 2021, ça a commencé par quel jour? Je suis dégoûté. Hein. Je sais plus. Franchement, je suis dégoûté. Attends. Et tu sais plus, genre, tu devrais t'en rappeler. Bah, apparemment, il y a des gens qui s'en souviennent. Hein, donc... Ah, c'est l'année en cours. Ah, je m'en doutais pas ça. C'est une année commune qui commence un vendredi. Waouh. Mais complot. Comment c'est possible? Est-ce que toutes les années commencent par le vendredi? Est-ce que ça sent la fatigue? C'est possible. Comment 1552 et 2021 peuvent commencer un vendredi? Ah non, ça y est, je viens de me rappeler du premier jour de l'année 2021. J'étais en train de regarder ce qui s'est passé. J'ai tout fermé du coup. Mais non, pourquoi? Non, mais c'est mon T'as habitude. Eu peur? Non, mais je me suis rappelé qu'il y avait eu des techs aussi pétés que qu'on a en ce moment. Je te rappelle pas, c'était le premier jour de l'année? Il y avait le slip français et ses blackface. Non, ça c'était 2020. Ça. C'était avant le Covid, hein, ça. C'était même 2000. C'était pas 2021, ça. Ah, mais attends, du coup, ça veut dire que le Covid m'a totalement explosé le tout l'espace-temps. 6 janvier 2020. Tu vois? Mais ça veut dire qu'il y avait encore une tech encore plus pétée en 2021 et que je me suis enfermé dans ma tête. Bon, donc elle est née en 1552, mais je voudrais lire le début, s'il vous plaît. Oh, arrête de monter. Mais je veux au début. Voilà. Connue aussi sous mais le t'as nom. T'as déjà tout lu? Non, elle est née à Bologne en 1552. Mais on l'a dit Bologne. Non, toi tu l'as dit, moi je l'ai pas lu. Et elle est morte à Rome en 1614. Et qu'est-ce qui change? Bah, c'est pas pareil. J'ai pas entendu moi. On a parlé de Rome, on a parlé de Bologne, on a donné la date. T'as dit, c'est quoi une maniériste, c'est quoi l'école romaine? Oui, mais voilà. Alors, c'est l'enfant unique de Prospero Fontana et d'Antonia De Bonardis. Son père est peintre de la contre-réforme, très en vogue auprès des papes. Lavinia Fontana se forme dans l'atelier de son père où elle rencontre les artistes et les mécènes de la ville. À 25 ans, en 1567... Oh, il y a des fesses. En 1577, Lavinia Fontana épouse un peintre mineur, Gian Paoli Zappi di Mola. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a des fesses. Attends, on va essayer de streaming. C'est où, toi, t'étais? Là, son mari lui trouve des commanditaires, diffuse et vend ses œuvres. Elle décède entourée de ses trois enfants. Voilà. Carrière artistique. Son catalogue comporte à peu près 131 tableaux et dessins. Elle se consacre dans un premier temps à des tableaux de petite dimension, répondant à des commandes et à des actes de dévotion privés, tels que Cristo con il simboli della passione, conservé au musée d'art del Paso. Le Christ est le symbole de la passion. Non, le con, c'est avec. Est le symbole. Avec. Oui, mais c'est ça. Et le. Ça marche? Non. Oh vas-y, je te laisse parler tout seul. Moi, je pars. Hein. Non, s'il te plaît. Je pars avec le chat. Au moins, il fait des câlins. Au moins, elle parle pas, surtout. C'est ça que tu veux dire? Bah non. Ça n'a rien à voir, c'est juste que toi, tu fais exprès m'embêter. Bon, je lis la biographie. Elle est au moins, elle est gentille. Acte de dévotion. Oui, bah écoute, voilà, c'est. On sait pas, c'est. Elle peint... Je pense que c'est religieux, les actes de dévotion privés. C'est pas. Elle va pas peindre sa vie privée, quoi.
On va voir. C'est un peu bizarre, acte de dévotion privé à Pator. Ouais, non, c'est bizarre, hein, mais... Oui, mais ils disent tel que Christo, con un simbole de la passion. Est-ce que acte de dévotion privée, est-ce que ce serait pas le pour la gloire de 2021 ou pour la visibilité? Parce que je me pose la question là. Alors, portraitiste célèbre de la fin des années 1580, elle reçoit d'importantes commandes, non seulement de nobles dames, mais également d'hommes importants et de lettrés. Les portraits d'humanistes qu'elle réalise entre 1575 et 1585 font preuve d'un rendu psychologique des émotions. Les grandes familles de Bologne lui commandent de grandes compositions, donc il y a la famille Gonzadini en 1584 notamment. Fontana peint aussi des sujets religieux. Des sujets religieux, des petits tableaux de dévotion, des grands tableaux d'hôtel, et sont splendides et atmosphériques. Noli me tangere, tangere. Si tu mets ton clic, j'allais dire, ton dessus. Voilà, la traduction latine par Saint Jérôme de l'Adresse. En grec. Dans l'évangile selon Jean. L'Adresse est faite par Jésus ressuscité à Marie-Madeleine. Moi, je comprends jamais rien au terme des trucs religieux. L'Adresse est faite par Jésus. Là, il te parle quand même en latin et en grec. Déjà, à la base, je dirais que si tu ne comprends pas le latin et le grec, c'est compliqué. Mais oui, hein. Très bien. Je savais pas que Jésus, c'était que à Marie-Madeleine qu'il était ressuscité. C'était juste pour elle. Je sais pas. Très apprécié du pape Grégoire XIII et sensible à l'idéologie de la contre-réforme, elle exécute en 1584. Son premier tableau, la Madone, avec Saint-Pierre et Michelon. Chrysologue et Saint-Cassien. Ouais, si tu veux, je lis. Hein. Non, ça va. Elle réalise également de nombreux autoportraits. Elle se représente en femme raffinée et noblement vêtue. Vers 1590, elle réalise la naissance de la Vierge. Elle peint essentiellement des saintes. Les études d'après-modèle nues sont interdites aux femmes car il est inconvenant pour une femme de peindre des hommes. Donc des hommes, des gens vivant in situ, elles n'ont rien des droit paysages, à faire. Des paysages, hein. Voilà. En 1594, elle fait le portrait d'Antonietta, dite Tonina, Gonzalvus, une jeune fille atteinte d'hypertrichose, maladie ultra rare provoquant une pilosité extrême sur le visage. Okay. Elle avait la barbe, quoi. Ouais. En 1600, on lui commande un grand tableau d'autel, la vision de Saint Hyacinthe, pour l'église Sainte-Sabine de Rome. La commande à une femme d'une œuvre de cette importance déclenche une polémique. Le tableau est cependant un succès, à tel point qu'en 1603, elle s'installe à Rome. Fait encore plus remarquable, elle peint, entre 1585 et 1613, des tableaux mythologiques. Fontana est une des premières femmes peintres à représenter des femmes nues, Minerve s'habillant, achetée à l'artiste ou à ses héritiers par le cardinal Scipione Borghese. En 1604, à 52 ans, le pape Clément VIII la nomme peintre de la cour pour son talent de portraitiste. Elle est élue membre de l'Académie des Beaux-Arts de Rome. En 1604, dans le palais du cardinal d'Este, elle réalise le retable, qui est détruit aujourd'hui, pour la basilique de Saint-Paul hors les murs, qui n'a aucun succès auprès du public romain. La décoration de la chapelle Rivaldi de Santa Maria della Pace de Rome est l'une de ses dernières œuvres. Et donc on a une liste partielle qui commence des œuvres qui commencent en 1577. 1604, le dernier. Bon, elle a peint plein de choses. Ah, bah elle est là, la dame avec la pilule. C'est pas que de la barbe, hein. Même au niveau de la barbe, il y a moins de barbe. Ouais, là, on est plutôt sur une pilosité visage, hein. Visagiale. Je sais pas comment. C'est marrant. Il y a un terme, je pense, pour ça, mais je sais pas. Il y a des livres sur elle, donc. Et ça vient d'une page anglaise, hein. Ils disent l'article est partiellement et en totalité issu de l'article Wikipédia en anglais. Voilà. Lien externe. Ok. Ah, j'ai pas fait marque. Oh, j'ai oublié. Du coup.
Alors, c'est bon, je peux faire quelque chose? Oui, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. T'as cliqué à droite au lieu d'à gauche? J'ai cliqué à gauche au lieu de droite. Ah, je vois pas, j'étais avec la main gauche, du coup, c'est compliqué. Tu sais. Bon, Madame le chat, vous êtes encore sur pas le bon endroit. Je vais pas la chasser là, parce que c'est à ton tour, je pense. Non? Tu veux que j'y aille? Non. Oui, toi tu es. Non, non, mais. Tu es l'animatrice principale en même temps. Je suis l'animatrice principale. J'ai compris! J'ai c'est compris! Faux. C'est faux, c'est faux. On peut regarder? Oui, on peut regarder son travail. Du coup, donc là, il y a une série de portraits de gens qui ont à peu près tous la même tête. Du coup, on n'a pas fait le qui est-ce de tout à l'heure d'ailleurs. On n'avait pas trouvé la photo. Non. Enfin, la peinture. Là, c'est une gravure. Un ritratto. Ah! Judith with the head of. Oui, parce head of Holofern. Ah, bah oui, d'accord, pardon. Ok. Ok, ben. On va rester un peu. Très bien. Si jamais il y a des gens qui veulent venir se faire ban ici, c'est le moment. Je pense qu'on est bien équipé entre la dernière fois et avec Nikit Sinfal et maintenant. N'hésitez pas, hein. C'est ça. Viendez vous battre. Viendez vous battre, n'importe où. Nous, on combat pas ici. Bon, les pièces, c'est bien, mais... Qui est une photographie d'un monument qui fait partie du patrimoine culturel d'Italie. Ah, mais ça, on dirait... Non. Alors, par contre, c'est marrant parce que, en fait, ça fait partie des légendes qu'on peut faire quand on a un compte Wikipédia. J'en avais un peu parlé déjà à un moment. Ah. Et du coup, en fait, on peut... je viens de faire deux liaisons, du coup, et en fait, en même temps. Du coup, en fait, ouais. Je crois que c'est possible que ce soit donc... Et en même temps. du coup, l'idée, c'est que ce soit la communauté qui donne les légendes. Et en fait, le truc, c'est que j'ai remarqué que c'est difficile de bien légender. Si tu prends une base de recherche, donc un rapport scientifique, tu ne dis que ce qui est écrit dans la vidéo, dans la photo, ou dans ce qui est l'article, ou des trucs comme ça. L'article, c'est un peu moins grave parce que tu peux résumer, en fait. C'est plus un résumé qu'une légende. Donc du coup, tu peux être un peu plus... comment on dit ? Tu peux être un peu plus de choses. Là, par exemple, il y a trop de choses. Bah, moi, je trouve... Oui, il y a précise, beaucoup... C'est rare qu'on précise une photographie, par exemple. Mais si on précise, ça serait plus... d'abord quelle œuvre c'est, et après on précise c'est une photographie. Oui, mais je trouve ça assez drôle qu'il y ait quelqu'un qui ait mis, genre en gros tu sais pas ce que c'est, et donc tu dis ceci est une photographie d'un monument, tu dis même pas c'est une reproduction photographique d'une peinture, tu vois. Ouais, mais représentation photographique par exemple c'est déjà compliqué. Ouais. Oui, certes, là aussi il a écrit ça, ouais. Non mais du coup ça peut être la même personne qui a réécrit la légende que la personne qui a pris la photo du coup. Parce que c'est mis en avant par... Enfin, la photo est mise en avant, pas l'œuvre. Mais ça, je trouve ça fou que ce soit une peinture faite par une femme artiste. Hein. Bah, c'est ça, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, non, mais c'est vraiment... Et après, c'est, tu vois, genre, culturellement, du coup, dans d'autres pays, c'est différent. Quoi. Bah, ils ont dit qu'il y avait quand même des choses qui avaient fait scandale hein, dans ce qu'elle a représenté. Ouais, mais... Je comprends pourquoi ils disent qu'ils veulent pas des flashs. Hein. Non, mais les flashs, surtout parce que ça altère la peinture. Je sais. Parce que c'est de la lumière d'un coup fort. Hein. Ça, c'est l'autoportrait. Après l'histoire de l'altération, moi j'avais lu un article justement sur l'histoire de l'altération que c'était pas vraiment vrai. Ah. Bah oui, bah la lumière est en train de charger, mais elle a dit qu'elle était éteinte. Voilà. Comme ça, c'est fait. Peut-être qu'elle est pas en train de charger du tout d'ailleurs. Portrait d'une jeune fille à hauteur de buste dans une robe gris, verte et rose, avec les manches roses. Donc là, on voit un peu mieux, du coup, c'est plus la photo. Et Saint Francis de et Paola. Non, c'est Saint Francis de Paola qui bénit le fils de Louisia. Saint François de Paul, je crois. Ouais. Oui. Il doit y avoir des blagues comme ça dans la Bible. Ouais, je pense. Bon. Voilà. On n'a pas vu ça, Mars et Vénus. Là. Vous voulez voir Mars qui touche les fesses de Vénus, c'est ça ? Oui. Parce que ça arrête ça. C'est intéressant. Ah. Mars, le dieu de la guerre.
qui touche le cul de la déesse de l'amour. D'ailleurs, le dieu de la guerre est toujours un peu plus basané que les autres. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, bah, ok. Et donc, du coup, on n'a pas trouvé la première date. Enfin, on n'a pas... Il n'y a pas la date dedans. Si, si, mais on ne l'a pas dit. Enfin, j'ai pas dit que je le notais dans ma tête, donc je ne l'ai pas noté, je crois. On est en 1500 quelque chose. Je crois qu'on m'a répondu à mon pouce vers le bas et mon pouce vers le haut. Il y a un 1 là depuis tout à l'heure, j'avais pas fait gaffe. Alors, donc, après mariage et carrière professionnelle. Après, peut-être. Mon catalogue comporte un machin. Est-ce qu'on sait que dans... Elle est célébrée dès la fin. Eh ben, regarde, dimension répondre à des qu'on a. Ah oui, non, ça c'est 1576. Portrait célèbre dès la fin des années 1580. Elle reçoit d'un porte-compte commande. Ouais, c'est un peu large. 1575. Elle réalise entre 1575 ouais. Font preuve d'un rendu psychologique des émotions. J'ai pas vu ça, moi. J'ai lu hein, tout à l'heure. Oui, non, mais j'ai pas vu ça dans les tableaux, je veux dire. Bah, après, tu vois, regarde 1590, 94, 1600. Donc, on peut dire 1575, hein, je pense. Oui, parce qu'il parle en fait de la création. On ne parle pas d'administration spécifique. Hein. Après, regarde, liste parcelle des œuvres. La première, elle date de 1577. 75 ou 77 parce bah, normalement, on prend celle normalement, qu'on trouve pour la plus jeune. Mais... Ouais, pour les époques comme ça, la monstration, c'est direct parce que c'était des commandes. Donc, en fait, le truc, ce serait, ouais. T'as dit 75, mais il y a marqué 76. Ouais. Non, il y a écrit en dessous, il y a écrit les portraits d'humanistes qu'elle réalise entre 1575 ouais. Et 1585 font preuve d'un rendu psychologique des émotions. Ouais, c'est 175. Allez, c'est parti. Je crois qu'on a rien à cette époque-là. On a une autre peintre italienne, je crois. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu très italien, Victor. Ouais, c'est ça, c'est Procarza. Même d'ailleurs le siècle d'après. Hein. Ouais, ouais, non, mais après, c'est ce qu'on disait, c'est très eurocentré. Alors, je remets les liens, du coup. Parce que là, on est totalement dedans. Hein. En même temps, toute la phase. Le 16e et 17e siècle italien, tu vois, avant la Renaissance et tout, ça a été plus travaillé sur... Enfin, en Europe, ça a été plus travaillé, en fait. C'est pour ça que je te dis que c'est très eurocentré. C'est qu'en fait, là, c'est des trucs que, par exemple, pour 1700, si on va du côté de l'Asie, il y en a forcément aussi. Ah bah oui, clairement. Oui. Même limite, on trouverait plus des trucs plus tôt, je pense. Oui, oui, non, mais c'est sans doute. Mais c'est pour ça que je dis que c'est très eurocentré. Parce que là, en fait, on trouve facilement des choses qui sont déjà dans notre langue, soyons clairs, et en plus qui sont de connaissances que potentiellement on connaît. Donc culturellement, en fait, même si on connaît pas les noms, culturellement, il y a des gens qui parlent la même langue que nous et qui connaissent, en fait. Mmh. Et ça joue beaucoup déjà. Donc il faut faire attention à ça, parce que là on est en train de constamment creuser dans l'eurocentrisme. Je sais pas si ça se dit, d'ailleurs. Je pense que si. Et du coup, qu'il faut faire attention à ça, il faut bien le comprendre. C'est pour ça qu'à chaque fois, on précise que nos recherches se font comme ça. D'ailleurs, on ne l'a pas précisé, mais on devrait noter que la langue française ou l'endroit de recherche de notre IP, entre guillemets, c'est-à-dire notre adresse de vie, est un biais. Parce que vous savez que Internet n'est pas visible partout dans le monde pareil. Et preuve en est, apparemment la France va interdire des sites porno à partir de vendredi. J'ai entendu ça à la radio ce matin. Alors, okay. Je vous donne l'information. Donc, Lavinia Fontana. Une dernière artiste pour ce soir. C'est la reprise est compliquée, hein. Ouais, c'est dur. Là, il nous reste... Non, on nous reste encore 30 minutes, mais je pense qu'on va avoir du mal à faire. Je sais pas si... Bah, on peut re-regarder... Ah oui, mais je devais remplir ce truc-là, en fait. C'était ça, l'histoire. Voilà, tu vois, j'ai commencé, mais j'ai pas fait. Bah, on finit ça. Deux. Donc, on a fait qui ? Lavinia, déjà. Dernière. Non, mais s'il te plaît, respecte-moi, quand même. Lavinia. Lavinia. Lavinia, d'ailleurs.
voyait pas. Donc, Fontana. Et je devais le faire sur Twitter aussi. Oh là là, on a tout raté. On se rappelle plus de rien. Bon, je le mettrai après. Bah, tu prends dans les trouvailles, hein, sinon, puisqu'on a pris les artistes des trouvailles. Oui, donc Lavinia. Adélaïde, Labine, Guillard, c'était la deuxième. On peut pas valider parce qu'elle a envoyé les deux. Mm. Du coup, Louise. La troisième. Et la deuxième, c'est Adélaïde, machin. Adélaïde, Labille, Guillard. Mais on a aussi celle-ci. Mais tu l'as déjà mis celle-là. Ah, on a fait 4. En général, on fait 4. Ouais. C'est bien. Ok. Donc la semaine prochaine, normalement, on se retrouve avec la même chose. Et du coup, la mise à jour de tout ça. Bon, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc du coup, Lavinia, bon ça je vais le mettre du coup, je vais faire ça, ça, il nous reste ça. Bon, il nous reste pas mal de trucs en fait à faire, hein, si on essaye de rattraper tout le monde, c'est, sachant que moi je rajoute des trucs en plus. Complexe. Il va y avoir pas mal de choses. Tu vois, regarde, j'ai rajouté Orlan. Qui va être intéressant, je pense, à lire. Ça peut être vachement intéressant à lire. Après, voilà, je sais qu'elle est peintre, mais on va encore se taper sur le fait si elle est designeuse. Orlan, elle est pas peintre, hein. Elle est designeuse. Orlan, elle est pas designeuse non plus. Hein. Elle est performeuse. Orlan, elle a fait du collage et elle a fait des œuvres sur son propre corps. Oui, elle est performeuse aussi. Mais oui, elle joue du corps dans l'espace d'exposition. Ouais, bon, alors, du coup, ça va être important et intéressant, je pense. Voilà. Est-ce qu'on s'arrête maintenant? Ça fait 2 heures. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Ah bonjour Wizbot, merci de nous rappeler que ça fait 2 heures pile. Merci, on sait qu'on est à l'heure. Bon bah du coup, on va s'arrêter là. Je sais qu'il n'y a personne sur ce stream. Donc manifestez-vous si vous voulez vous faire envoyer ailleurs. Mais je sais que certaines personnes dorment. Que nous n'allons pas les réveiller avec le zbul qu'il doit y avoir du côté de l'anti-stream ce soir. En tout cas, ce qui est intéressant, si vous ne connaissez pas l'anti-stream, allez voir l'anti-stream. Je vais voir qui est en live, comme ça je vous envoie tout le monde en même temps. Je crois qu'il y a Ayla qui est. Ayla n'est pas en live. Il y a qui que j'ai. Il y a du people, hein. Mais bon. Il y a du people, c'est plus du côté des gros streams. Donc, du coup, je vous invite à aller voir les leaks. ils ont pas besoin de soutien. Raving Bell, bien sûr, qui était là, qui est toujours là. Et Petit Cocon, voilà. Bon, il y a d'autres personnes hein, qu'il faut aller voir. Bon, allez, j'envoie tout le monde. Hein, et puis voilà, hop. J'ai remis un petit stream 3 fois, c'est pas grave, j'ai remis Cancanou, j'ai mis les 2 cas, hop, une belle, hop, et TF1. Allez voir tout le monde, et je réveille Révimé ou pas? En appuyant sur pull-up. Non. Voilà, plein de cœur sur vous. N'oubliez pas, si vous voulez aller voir la liste, c'est de ce côté-là. Et... Et si vous voulez aller voir où je cherche, mais si vous voulez aller envoyer des liens, si vous voulez nous retrouver, c'est quelque part par là. Voilà. Ça fait beaucoup de liens. Hein. C'est pas grave, je m'en fiche. C'est pas grave. Hein. Et merci la prod. Voilà, on fait des big ups. Merci Nibbler d'avoir été là, de m'avoir engueulé de temps en temps. Merci 13 bis pour ce retour. On essaiera d'être plus réveillé pour la semaine prochaine. Ouais, c'est juste qu'en fait on est sorti un peu de talent. Donc... Et le temps de se remettre aussi dans le bain. Ouais, qu'on essaye de faire tout ce qu'on a réussi à faire à mettre en place la semaine dernière. Enfin la semaine dernière, il y a 2 semaines du coup. Mais la semaine dernière, c'est aussi un peu le truc qui était un peu traître au final, parce que faire le remake, c'est aussi prendre des mauvaises habitudes qu'on avait dans le premier. C'est vrai. Donc le Twitter, il a sauté, il y a plein de trucs qui a sauté. Parce qu'en fait, le Twitter n'était pas nécessaire la semaine dernière, vu que c'était le remake.
Voilà, et bon, du coup, on se capte. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live depuis, depuis les semaines dernières, c'est-à-dire beaucoup, même depuis 2 mois. on est arrivé à 135, c'est beau, ce qui est incroyable. On a réussi à faire notre top 3 en plus, et donc du coup, on est affilié si on a envie. La question se pose toujours. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je fais ce week-end ? Ah ! Alors, peut-être pas de lecture, du coup, on verra. Mais il y a Histoire. Si vous ne connaissez pas Histoire, on va jouer. C'est intéressant. Et si Nibbler est présente dans la. Peut-être qu'il y aura une partie multijoueur sur autre chose. Oui, c'est possible. Alors, on a testé Mario 3D, donc peut-être. Mais après, j'ai rejoué peut-être. Tout seul et je suis nul. Mmh. Au revoir. J'ai cliqué bisous. Sans faire exprès, mais c'est pas du tout le chip stream. Salut. Et bisous. Bonne nuit. Et on vous envoie des cœurs dans le chat.